Le tribunal criminel. Ministère public compte, Monsieur Cécile Raphaël Avar, Monsieur Marcel Guilavogui, Monsieur Claude Pivi, Monsieur Moussa Kiburo Kamara, Monsieur Ibrahim Kamara Di Kalonzo, Monsieur Aboubakar Gakite Di Toumba, Monsieur Blaise Goumou, Monsieur Moussa Dadis Kamara, Monsieur Mamadou Aliou Keita, Monsieur Alpha Amadou Balde, Monsieur Abdoulaye Chérif Diaby, Monsieur Paul Mansa Guilavogui. Les partis civils, M. Ouri Baye Loba et plusieurs autres, la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH, l'Association des parents victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA. M. Moussa Kiburo Kamara, venez s'il vous plaît. Monsieur Mouktar Ba. Allez-y. Voilà. Faut dire bonjour au moins. Bah, faut dire bonjour au moins. S'il vous plaît. Ministère public. Merci, Monsieur le Président. Merci également, honorables assesseurs. Monsieur le Président, le parquet a sollicité la confrontation entre colonel Kiburo Kamara et Monsieur Mouktar Ba sur un point de contradiction relevé dans les déclarations de Monsieur Mouktar Ba, ici, à cette barre. Monsieur le Président, le point de contradiction, c'est par rapport à la présence effective de colonel Kiburo à l'esplanade du stade et la présence également de Monsieur Mouktar Ba, où des propos ont été tenus par Monsieur colonel Kiburo Kamara. Alors, colonel. Oui, monsieur le Président. La question que nous allons vous poser est celle de savoir si ce jour à l'esplanade du stade le 28 septembre, vous avez vu M. Mouktar Ba. Oui. Vous l'avez vu? Oui. Je peux expliquer? Vous avez échangé avec lui? Oui. Pas seulement. Quelle était la teneur de vos échanges?
Merci, monsieur le procureur. Moutaba, effectivement, le jour du 28 septembre, quand je suis arrivé à l'esplanade, dans le but de venir apporter aussi moi ma contribution, parce que la tension sociale était très tendue. Ils étaient là en tant que journalistes, tous. Ils n'étaient pas le seul. Il y avait plein de journalistes, et caméramans et tout. Et je suis venu, il s'est dirigé vers moi. Je pense qu'il était déjà victime de l'enlèvement de sa caméra de reportage. Comme on se connaît, c'est un ami, ou c'était un ami, ou il est toujours un ami d'ailleurs, je veux dire comme ça. Il est venu vers moi, j'étais avec Bafoué, il était arrêté, je suis venu d'arriver, je marchais. Il m'a dit, on m'a enlevé ma caméra. Aussitôt, il a dit, il n'a pas dit ça ici, Bafoué aussi est venu, il n'a pas cherché à préciser cela, peu importe. Moi, je lui donne ma version des faits. Il dit à Bafoué, mais réglez ça, quels sont ceux qui ont enlevé sa caméra? Je pense qu'il y a eu un petit accrochage avant moi, mon arrivée. Il a dit que c'était les policiers, et Bafoué s'en est occupé. Et moi, j'ai continué ma démarche vers la population qui applaudissait. Alors, dans cet enthousiasme-là, je ne l'ai plus revu. À partir de là-bas, je ne l'ai plus revu. À partir de là-bas, à partir du moment où je l'ai mis en rapport, en relation avec Bafoué, moi, je ne l'ai plus revu. C'est ainsi que j'ai continué vers le public. De là-bas, vous ne l'avez plus revu? Oui, mais je vais finir là. J'ai continué vers le public. Et de là, moi, on ne s'est plus revu, pratiquement. S'il m'a vu, moi, je ne l'ai plus revu. D'accord. Monsieur Mokhtar Ba, lors de votre comparution devant ce tribunal, vous avez tenu des déclarations selon lesquelles, ce jour, vous étiez venu effectivement au stade. Et à l'esplanade, vous avez vu Colonel Thiebro qui était avec une foule. Et dans un premier temps, il échangeait avec la foule. Mais puisqu'il n'y avait pas de compréhension entre lui et la foule, et il a tenu des déclarations selon lesquelles chargé. Et que c'est après l'expression de ce terme que les gaz lacrymogènes, les agents ont commencé à jeter le gage, mais également des coups de fusil ont retenti. Alors, ces propos, est-ce que vous les confirmez que ces propos effectivement venaient de Colonel Thiebro? Je n'ai pas d'abord dit qu'il y avait des coups de feu. Ça, je n'ai pas entendu. Colonel Thiebro, ce qu'il a expliqué, il y a une petite nuance. Quand nous sommes arrivés, il y avait un calme. Il était arrivé avec ses hommes. Il y a eu une bonne ambiance. On l'a applaudi. Les gens l'ont approché. Il était au milieu d'une foule. Après, il y a une grande marée, il y a une marée humaine qui est venue du côté de Bellevue. D'autres sont venus du côté du Pharmaguinée. Mais n'était pas encore arrivé au stade. Il était déjà bloqué. Thiebro, avec les jeunes qui étaient autour de lui, il y a eu des amabilités. Ils ont échangé. La tension est montée. Il a dit « chargez ». C'est en ce moment que les gaz lacrymogènes et les matraques ont commencé. Moi, j'ai été pris de dos par des policiers de la CMIS et des policiers qui étaient au commissariat du stade. Ils m'ont embarqué, ils ont retiré mon matériel que j'avais en main. Ils m'ont embarqué, ils ont cassé ça sur le goudron, et le micro, et l'enregistreur, et un de mes téléphones. Ils ont cassé ça sur le goudron. Ils m'ont embarqué dans le véhicule de la CMIS qui était garé au niveau du placard sens Dixin Université. Depuis là, je ne contrôlais plus rien. Après, quand Bafoué est venu, il m'a vu dans le véhicule. Il a insulté les policiers. Pourquoi vous l'avez embarqué? Est-ce que vous le connaissez? Laissez-le. C'est bon, s'il vous plaît. C'est bon. Attendez, il a crié. C'est bon, s'il vous plaît. C'est bon. Donc, vous confirmez que c'est après ce propos de Colonel Thiebro, chargé,
les gaz ont commencé, ils ont commencé à lancer les gaz. C'est après la main sur le Coran. C'est après que Thiebro ait dit, chargé, que ça a commencé. Autrement dit, ces propos ont produit immédiatement des effets, n'est-ce pas? Parce que les gens ont lancé des gaz. C'est bon, s'il vous plaît, c'est bon. Monsieur le procureur, n'insistez pas dessus, trop dessus. Colonel, il a déjà dit. Oui. Cette question est à vous. Merci, monsieur le procureur. Que Dieu nous protège dans ce pays. Je voulais commencer par ça. Ce monsieur qui reste à la face du monde et devant Dieu, il dit la main sur le Coran. Il ne connaît pas le danger du Coran. Que Dieu accepte sa prière. Bon, vous n'avez pas... Non. S'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Oui. Vous m'écoutez? Oui. Il a parlé, hein. Voilà, donc parlez, laissez-le tranquille. D'accord. Voilà, vous n'avez pas à faire des prières pour que Dieu accepte ses prières. Oui, c'est lui qui a demandé Dieu. Donc, dites votre version des faits. Merci, monsieur le procureur, monsieur le président. Ce qu'il dit, c'est de la contre-vérité pure et simple, parce que tout simplement, je vais décharger par rapport à quoi? Les témoins sont venus ici. Ces témoins, d'abord, je commence d'abord par la vidéo. Quelqu'un qui est venu. Un officier, un cadre qui est venu dans un milieu de ce genre, où il y a la tension est vraiment montée à un niveau donné. Qu'il vient et que les gens l'accueillent. Avec l'applaudissement, il a dit dans ses propos, avec l'applaudissement. Ce cadre-là, où à l'époque des faits, qui est un cadre de la République, une autorité de la République, tout ce qu'on cherche dans les milieux comme ça, c'est l'applaudissement. On t'applaudit et toi, c'est le moment pour toi de dire aux gens, charger. Et charger, ça signifie quoi? Bafou était venu ici, vous l'avez posé la question. Il a dit qu'il n'en a pas entendu. Les images ont passé ici, personne n'a entendu. Les audios ont passé ici, personne n'a entendu. Et mieux que tout ça, toute la presse y était, dont lui, dont les autres. Privé comme public, y était. Personne n'a, depuis 14 ans, exhibé ce propos-là. Et dans son reportage le soir, ou lendemain, à la RFI. Je n'ai pas entendu, quand nous sommes arrivés devant l'esplanade, et on a, le colonel Thiebro est arrivé là-bas, et il a dit chargé. Et c'est ce qui a motivé le déclenchement des hostilités. Non, c'est de la fabulation pure et simple. Je vous dis, monsieur le procureur, chargé en termes de MO, de maintien d'ordre, en termes de maintien d'ordre, ça c'est un commandement. Et ce commandement est composé de deux phases. Un commandement préparatoire et un commandement d'exécution. Le mot chargé ne signifie à rien du tout. Et je ne l'ai pas dit. Si je l'avais dit, c'est bon. C'est un point nodal. C'est un point nodal. Les gens, les journalistes qui étaient là, auraient arrêté cette partie. C'est bon. Pour faire l'objet de publicité. C'est bon. N'importe les preuves. Je peux. Je suis désolé. Oui. Je vous dis, quand les gens l'ont applaudi, ils l'ont entouré, la foule est arrivée, je vous jure, il y a eu la tension est montée. La tension est montée. Thiebro a dit chargé. Je l'ai entendu. J'étais à côté de lui. Il a dit chargé. C'est bon. Je le confirme. Je le confirme et je le confirme. Oui. Oui, monsieur le président. Et je ne veux pas commenter ce monsieur, franchement, parce que vous l'avez interdit. Mais je suis complètement meurtri de déception. Ce monsieur et moi, depuis 14 ans, on est ensemble. Souvent, il vient à mon bureau. On se frotte dans les réunions, dans les grandes rencontres. Il m'a jamais parlé. Autrefois, il est venu ici, quand le début de ce procès. On s'est croisé ici en tant qu'amis. Il m'a dit, je vais sortir contre toi. Le procès avait déjà fait 7 mois. Presque. Il dit, tu as dit quoi? Pourtant, tu me disais qu'il n'y a rien dans ce rocher. Il ne m'a jamais dit, on se frottait, on se faisait tout. Si aujourd'hui, bon, c'était certainement une amitié hypocrite quelque part, mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il dit est infondé. Et vous voyez, chargé ne veut rien dire. Moi, un, mes services n'étaient pas dotés d'acrymogène. Deux, on n'avait pas de matraque. Et trois, M. Boubacar Al-Ghassib Diallo a été clair ici. C'est un intellectuel chevronné. Il a été clair ici. Comment je suis venu? Comment je me suis retiré? Il était présent. Et la presse tout entière était là. Personne n'a réalisé ce mot-clé. C'est bon. Bon, je suis désolé. Bon, si c'est pour la même chose, c'est bon maintenant. Moi, c'est la même chose. Voilà. Et je maintiens ce que j'ai dit. C'est bon. Quelqu'un est passé ici, un bonhomme, un monsieur est passé ici, il a dit que Thiebro a dit saccager. Vous vous souvenez, non?
Il a dit saccagé. Moi, j'ai dit non, il n'a pas dit saccagé, il a dit oui, chargé. Parce que tu as tout écouté ici. C'est bon, s'il vous plaît. Je suis désolé d'être non. C'est bon, les je, deux. Je ne l'accuse pas parce que je veux l'accuser. S'il vous plaît. Moi, j'ai honte d'être intellectuel dans ce pays. Parce que c'est à ce niveau de je n'ai RFI. S'il vous plaît. Correspondant de RFI. Je n'ai rien contre lui. J'ai dit qu'il a dit chargé. Il faut arrêter. Tu peux faire plaisir aux gens. Quel plaisir aux gens? Faites-le, c'est apporte une preuve. Tu étais journaliste, non? S'il vous plaît, vous arrêtez maintenant. Voilà, on arrête. Monsieur Ba, monsieur, voilà. Vous n'avez pas, c'est, ça a tout l'air... C'est comme une menace. Ça a tout l'air d'être des menaces, hein, s'il vous plaît. Vous n'avez pas à vous adresser à lui. D'accord. Voilà. Vous n'avez pas, s'il vous plaît, hein, vous n'avez pas à vous adresser à lui. C'est une question qui vous a été posée. Défendez-vous, laissez-le tranquille. D'accord, il est tranquille. Voilà, vous le laissez tranquille. Voilà. Et vous avez eu tout le temps de vous défendre, ça suffit. Merci, monsieur. Mais laissez-le tranquille. D'accord. Ne vous adressez pas à lui. D'accord. Voilà. Et monsieur le procureur, je maintiens. C'est et bon. Je maintiens dans le vide. Qu'il a dit. C'est bon, hein. Chargé. Voilà. C'est bon maintenant. Allez-y. Monsieur le président, c'était le seul point. Nous vous remercions très sincèrement. Vous êtes salué au début, hein? Oui, on est amis. Voilà. Vous vous êtes bien salué au début. Oui, oui. Monsieur le président. Voilà. Donc, maintenez ce climat-là, s'il vous plaît. La partie civile a quelque chose. Et. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Permettez-moi tout d'abord de saluer tous les acteurs, ce qu'on a pu faire. Je voudrais demander à Monsieur Ba, et est-ce que vous confirmez que depuis 14 ans, vous connaissez Monsieur Camara? Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, je le connais. Merci. J'en ai fini. Technicien. Vous avez fini? La défense. Envoyez le micro. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les assesseurs, c'est sur le même point, une précision très capitale. Monsieur Ba, est-ce que vous confirmez, c'est ce qui est dans vos déclarations, hein, vos déclarations du 9 octobre 2023, lorsque vous êtes arrivé dans un premier temps? Le colonel s'est présenté, il a été applaudi. Il a quitté les lieux et vous aussi, vous avez envoyé les premiers éléments. Oui. C'est quand vous êtes revenu, vous l'avez revu à l'esplanade. Oui. C'est ça? Oui. C'était à quelle heure à peu près? Lorsque vous êtes revenu? Bon, on ne va pas reprendre les interrogatoires. Non, on ne reprend pas les interrogatoires. Il y a une contradiction. Je n'ai pas chronométré, je ne vois pas. C'est pas comme je l'ai dit, s'il vous plaît. Je ne me souviens plus. S'il vous plaît, on ne confronte pas les déclarations d'une personne qu'on confronte. Non, ce sont les points de contradiction entre deux personnes. C'est ce qu'on fait. Exactement. C'est ce que je suis en train de faire. Parce que le colonel n'était pas revenu. Je voudrais poser la même question au colonel. Allez-y alors. Mon colonel, oui, maître. Lorsque vous avez quitté l'esplanade, aux environs de 9h, est-ce que vous êtes revenu là? Pas du tout. Et pour une petite précision, lorsque j'ai quitté l'esplanade, comme M. Kalgasim l'a dit ici, je suis parti vers les leaders. Et vous avez vu notre entretien. Après là-bas, comme M. Ben l'a dit ici, moi j'ai continué, tant d'autres l'ont dit. Moi j'ai continué, je ne suis plus revenu. Personne ne m'a revu. C'est après que les tirs ont commencé que je suis revenu maintenant. Et je ne me suis même pas arrêté à l'esplanade. Directement, je suis rentré. Pour chercher, faire ce que je pouvais faire.
Monsieur Ba, qu'est-ce que vous en dites? Quand je l'ai quitté, moi, c'est moi qui l'ai quitté. Je suis allé envoyer les premiers éléments dans le quartier et je suis revenu, je l'ai retrouvé là-bas. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mon colonel, oui. Moi, je vais vous poser une seule question et c'est l'unique question. Pour ce qui concerne M. Moutarba, lui, je n'ai rien à vous poser comme question. Bon, c'est une question, c'est pour les deux. Hein, c'est pourquoi je ne cesse de préciser. Oui. C'est pas l'interrogatoire de M. Moussa Kiegboro. Connaît-il, vous plaît, suivez-moi, écoutez, on ne polémique pas. Il faut qu'on avance, il faut qu'on accepte, s'il vous plaît. Je me plie. Ouais, voilà, donc, si c'est une question simplement pour M. Kiegboro, ce n'est pas son interrogatoire qu'on est en train de reprendre. Ce sont des points de divergence qu'on est en train de chercher à discuter entre les deux. Allez-y. Je me plie à votre décision, M. le Président. Seba, est-ce que vous confirmez comme quoi Colonel Tchiguru Camara a dit en votre présence chargé? Oui, je le confirme. D'accord, j'ai fini avec vous. Je ne l'ai pas vu taper quelqu'un. C'est bon, hein, c'est bon. Mon colonel, est-ce que c'est possible? Non, devant les manifestants, dans un premier temps, comme vous avez pu le dire, après vous retournez encore pour dire il faut charger contre ceux qui ont applaudi pour vous. Est-ce que cela est possible? Cela n'était pas possible. Il sait, c'est juste une question de s'amuser. Parce que tout ce qu'il raconte, il sait pertinemment qu'il ne peut pas apporter la moindre preuve, même le moindre indice. Comment se fait-il que moi je peux être chargé à une équipe ou bien à une foule qui m'a accueilli comme un héros? C'est bon. C'est pas possible. Moi, c'est bon. Je ne suis pas n'importe qui pour le faire. C'est bon, s'il vous plaît. Merci, monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais demander à Monsieur Mokhtar, excusez-moi, comme il maintient que le colonel avait dit qu'il faut charger, en ce moment, est-ce qu'ils étaient côte à côte? J'étais à côté de lui. Quand la tension est montée, M. Kiegboro a dit bon, de vous avez répondu, chargé. Hein. D'accord. Je le maintiens. En face de vous, il y avait des policiers ou des gendarmes? Il était à côté de ses hommes. Ses hommes étaient à côté de lui plutôt. Estimé au nombre de combien? Je ne sais pas. Ce n'est pas un interrogatoire, monsieur. À votre avis, le mot chargé signifie quoi? La question, c'est pour qui? C'est pour M. Ba, le mot chargé. Bon, ce n'est pas son interrogatoire, on reprend, hein, ou son audition, on est en train de reprendre. Voilà. Il faut qu'on soit d'accord. Monsieur, mon colonel. Ouais. Si tu veux. C'est bon, s'il vous plaît. C'est bon. Hein. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Mon colonel, en face de vous, il y avait des gendarmes? Quand moi je suis arrivé le matin, la gendarmerie n'y était pas. Qu'est-ce que tu as dit ça ici? La gendarmerie n'y était pas. Il y avait quelques éléments de service spéciaux que personne n'a vu à côté de moi, dès la DC. Et il y avait des policiers avec bafoué. Et dans ce cas, chargé concerne. C'est bon, c'est répondu. Okay. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de gendarmes. Vous avez été côte à côte. Avec qui? Avec M. Ba. M. Ba m'a intercepté quand j'arrivais. Mais est-ce qu'il était à côté de moi? Il y avait plein de journalistes. Hein? Plein de journalistes. Est-ce qu'il était à côté de vous? Non, je ne l'ai pas observé à côté de moi. Moi, je m'adressais aux gens qui étaient manifestants. J'en ai fini. Merci, Monsieur le Président. C'est bon. Vous pouvez rejoindre votre place, Monsieur Camara et Monsieur.
Monsieur Abdoulaye Chérif Diaby et Monsieur Ben Youssouf Keïta. Youssouf Ben Keïta. Ministère public. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Nous avons souhaité la confrontation entre Monsieur Abdoulaye Chérif Diaby et Ben Youssouf Keïta sur un point précis. La présence du premier au CHU de Donka. Parce qu'il y a, leurs deux déclarations sont contradictoires là-dessus. Monsieur Ben Youssouf Keïta, vous confirmez que c'est en votre présence constante que Monsieur Abdoulaye Chérif Diaby, à l'époque ministre de la Santé, est arrivé dans l'enceinte de l'établissement hospitalier, le CHU de Donka? Était-il en tenue militaire? Oui, il était en tenue militaire. Était-il accompagné d'autres bérets rouges? Est-ce que la question, c'est un interrogatoire? Non, Monsieur le Président, j'ai voulu achever avant de venir à chose. Mais si mon schéma ne vous convient pas, je reviens. Allez-y alors, allez-y. Est-ce qu'il était en compagnie d'autres militaires bérets rouges? Il était en compagnie de plus de deux militaires. Monsieur Abdoulaye Chérif Diaby. Oui, monsieur le procureur. Est-ce que vous confirmez cette déclaration-là? Vous êtes venu en tenue militaire? Non. À Donka, en compagnie de militaires bérets rouges. Je suis venu à Donka, en tenue civile, en bazin, avec Babouche. Bien. Et c'est bon, vous avez répondu à ma question. Merci, monsieur. Il n'a pas terminé. Monsieur le Président, c'est... Est-ce que, parce que vous avez dit qu'il est, vous avez demandé à monsieur oui. Ben Youssouf Keïta s'il non. est venu le premier. Hein? Non, j'ai demandé s'il était venu en D'accord. tenue militaire et s'il était venu en compagnie de bérets rouges. Ok, c'est bon alors. Bien. Monsieur Keïta. Oui, monsieur. Lors de votre passage ici, vous avez dit que monsieur Abdoulaye Chérif Diaby n'a pas eu d'empathie pour les victimes que vous étiez. Affirmatif. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Je le maintiens. Monsieur Abdoulaye Chérif Diaby, ces déclarations sont-elles concordantes à votre réalité à vous? Pour moi, ce n'est pas concordant. Je m'excuse si je... Vous avez répondu à ma question, M. Diaby. Ce manque d'empathie, vous l'expliquez par quoi? Très bien, c'est... Monsieur le colonel, parce que je ne l'appellerai pas docteur, n'était pas de la profession médicale. En plus, ministre de la Santé à l'époque. Qui est prêté serment. Nous avons la même profession. Il est chirurgien, je suis chirurgien. Et à l'époque, il était mon ministre. Donc, je le connaissais très bien, de visu. S'il n'avait pas prêté le serment d'Hippocrate, qu'il connaît très bien, de 10 points, dont le point essentiel est de porter assistance en personne en danger, même votre ennemi, quand il vous trouve, vous devez le soigner. Ce qui est, excusez-moi de vous interrompre, le manque d'empathie. C'est ce que je vais expliquer. D'accord, allez-y droit au but, s'il vous plaît. Donc, le médecin, la première qualité d'un médecin, c'est l'accueil.
Et si vous venez trouver, c'est compatir, avoir le sentiment de pitié, de partage de la douleur de celui qui est en face de vous. C'est ce qu'on appelle empathie. Malheureusement, le colonel, ce jour, n'était pas un médecin, il était un militaire. S'il n'était pas médecin, je n'allais pas du tout l'en vouloir. Mais il est venu avec hargne, alors que nous gémissions, parce que tout ce qui était dans cette salle, il y avait plus de 50, 60 personnes, éparpillées un peu partout, blessées, gémissant de douleur, tristes. Qu'il vienne, il devait nous réconforter. Mais dès qu'il est rentré, il n'avait pas d'armes. Il n'a frappé personne. Mais il a eu des propos déplacés d'un médecin envers un patient, un malade. Ce qui a cassé naturellement notre morale et qui nous a apeurés davantage. Ces propos déplacés, vous pouvez rappeler à l'intention. Quand le médecin vient, il trouve le malade, il crie sur lui. Pourquoi vous êtes allé? C'est ce qu'il a dit. Très bien. Qui vous a dit d'aller? Pourquoi vous êtes allé? Très bien. Ce n'est pas comme ça qu'on traite un médecin. Monsieur Abdullah Chérif Diaby, est-ce que tel a été votre comportement quand vous êtes allé à l'hôpital? Aidez-le, l'agent. Vous êtes là, pourquoi vous le voyez? Changez la chaise, là, envoyez l'autre. Si vous venez devant, vous asseoir devant, c'est pour surveiller le mouvement de ceux qui sont là. Je m'adresse à vous, hein, les agents qui sont assis devant. C'est pour surveiller le mouvement de ceux qui sont à la barre. Voilà. Merci, monsieur. Je me répète, monsieur Diaby. Oui. Est-ce que tel a été votre comportement quand vous étiez allé à l'hôpital Donka, tel qu'a décrit monsieur Ben Youssouf Keïta? Est-ce que vous avez eu ces propos-là? Parce que c'est ce qui a, selon lui, caractérisé votre manque d'empathie en votre qualité de médecin et doublé de la casquette à l'époque de ministre de la Santé. Merci, monsieur le procureur. Je voudrais rappeler d'abord à mon grand frère, docteur Ben, que je suis bien docteur en médecine. Si je l'explique un peu mon parcours universitaire, il saura que je suis docteur en médecine et que je suis chirurgien spécialiste. J'opère du cou aux orteils. Je suis chirurgien généraliste et spécialiste en chirurgie de guerre. S'il m'appelle docteur, je crois que c'est normal qu'il le sache. Comme s'il m'appelle colonel aussi. Là aussi, je suis académicien. Et ça, j'ai cherché. Il peut m'appeler docteur. Il n'aura pas honte. Plus jamais. Et ce qu'il m'a dit, ce qu'il a dit comme ça, que j'ai manqué d'empathie, monsieur le procureur, je ne suis pas d'accord. D'accord. Il ne peut pas lire ce qui est dans ma tête. Ce que j'ai vu quand je suis rentré à Donka, l'affluence, les blessés, à même le sol, au service des urgences. J'étais complètement déboussolé et dépassé. Les propos qu'il a tenus, qu'il vous a attribués, est-ce que ça venait de vous ce jour? C'est pas possible, monsieur le procureur. Je ne l'ai pas fait. Merci, monsieur le président. C'était le seul point de contradiction que nous avons relevé. Nous vous remercions. Parti civil. Pas comme l'autre fois, hein, maître. Docteur Ben. Oui, maître. Pourquoi vous ne voulez pas appeler M. Diaby, docteur? C'est la seule question. Merci. C'est bon, c'est pas important. Parce que vous avez bien expliqué. Hein. Ça suffit. Quelqu'un d'autre? La défense? Son conseil d'abord.
Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Je commencerai la même question par Dr. Youssouf. Oui, maître. Vous rappelez dans votre déclaration ici, lorsque vous étiez passé, à un des paragraphes, vous avez fait état que Dr. Chérif était en compagnie des gardes. Vous rappelez ? Affirmatif. Ce qui suppose, selon vous, qu'il a une troupe en ce moment. Oui ou non ? Bon, c'est pas... D'accord. On ne reprend pas, on reprend pas les débats, s'il D'accord. vous plaît. Monsieur le ministre. Maître. Lorsque le docteur dit que vous étiez en compagnie des gardes, est-ce que, oui ou non, vous étiez avec des gardes à l'époque ? Oui, j'étais avec mon garde-corps. Très bien. Est-ce que vous n'avez pas droit à ça ? Je crois que j'ai droit. Bien. Deuxième point. La question d'empathie. Pour la question vient pour Dr. Youssouf. Oui, maître. Et est-ce que ce n'est pas sur la base d'une déontologie de votre profession que vous avez fait état de cela ? Affirmatif. Bien. Monsieur le ministre. Maître. Est-ce qu'il existe quelque part en matière de médecine de guerre la notion d'empathie quelque part, parce que vous êtes spécialiste en matière de médecine de guerre? Oui, empathie, c'est français. Bien. Il y a l'empathie, il y a l'antipathie. Bien. Ça existe. Troisième point. Docteur Youssouf. Oui, maître. La sympathie. En face d'une telle situation, d'un tel événement, oui, qui dépasse l'entendement, est-ce qu'il ne vous arrive pas des fois avoir un comportement extra de vous-même? Non. N'étiez pas là, s'il vous plaît. C'est le pas, médecin... C'est pas, c'est bon. Merci. D'accord. Cette question n'a pas... D'accord. Monsieur le ministre. Maître. Ce jour, lorsque... Parce que Dr. Ben dit que vous étiez en tenue militaire... Et vous étiez en compagnie des militaires. Et lors du passage de la directrice de Donka, étiez-vous ce jour-là avec elle ou vous étiez avec des militaires? Je ne vous comprends pas là. Je veux savoir ce jour-là, lorsque Dr. Youssouf dit que vous étiez en compagnie à Donka, en présence des militaires, alors que ce jour-là, vous n'étiez pas tenu. Deux, vous étiez en bassin. Trois, vous étiez en présence, n'est-ce pas, de la directrice de Donka. Oui ou non? Non, maître, écoutez, s'il vous plaît. Quand je suis arrivé aux urgences de Donka, il n'y avait pas que la directrice. Voilà. J'ai trouvé, donc, vous voyez que vous-même, vous mettez de des trucs ensemble et votre client dit autre chose. J'ai trouvé plein de monde. Précision. Voilà. Vous allez directement au service des urgences. C'est bon. D'accord. Alors, Dr. Youssouf. Oui, maître. Le temps que vous avez fait à Donka, oui, et le temps que Monsieur le ministre a fait à Donka, respectivement entre vous deux, oui, qui a quitté avant l'autre? Bien. La même question pour vous. Oui, très bien. Moi, je suis arrivé à Donka dans les environs de 12h30, 13h. Oui. J'y suis resté jusqu'au lendemain, oui, à 10h. Donc, le 28 septembre à 13h, j'étais à Donka, je suis resté jusqu'au 29 à 10h. Le ministre de la Santé, le colonel, est venu dans les environs de 13h-13h30 et il a passé à mes côtés. Il n'y avait même pas 30 cm entre lui et moi quand il passait. Il n'y avait que des Guinéens couchés à même le sol, gémissant. Qui a quitté avant l'autre? C'est lui qui a quitté avant moi, que je sache. Bien. Parce qu'il a passé, moi je ne l'ai plus revu. C'est bon. Monsieur le ministre, ça va être mon dernier point de vue. Je veux savoir, lorsque vous êtes en votre qualité de ministre à l'époque à Donka, est-ce que votre présence à Donka ne s'avère pas nécessaire? C'est nécessaire, c'est indispensable. Il fallait venir voir d'abord ce qui se passe. C'est bon. Pour aller vous rendre compte. Merci, Monsieur le Président.
Vous faisiez des gestes de la main tout de suite. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, monsieur le président. Vous adressiez à quelqu'un? Non, monsieur le président. Ça avait tout l'air. Non. Oui. Oui, vous avez fini à quelqu'un d'autre? Pensez que quelqu'un voulait aussi. Okay. Vous pouvez rejoindre vos places. Merci, monsieur le président. Monsieur le procureur, je peux avoir une minute, s'il vous plaît, comme c'est la dernière. Allez-y. Asseyez-vous d'abord. Voilà. Je voudrais tout simplement, en ma qualité de leader politique, en qui des centaines de nos compatriotes, voire des milliers, font confiance, profiter de l'occasion que j'ai. Bon, s'il vous plaît, ici, ce n'est pas une tribune où un leader politique va s'adresser, je ne sais pas, à qui que ce soit. Si c'est dans ce sens, on ne vous le permettra pas. Bon, personnel, là, c'est purement personnel. S'il vous plaît, oui. Il y a d'autres canaux pour ça, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez rejoindre vos places. Merci beaucoup. Yabi doit également être confronté à Ouri Bailo. Oui, on va l'appeler. D'accord. Merci. Adjudant-chef Mamadi Soumaoro, adjudant-chef Mamadi Soumaoro, il est là. Colonel Blaise Goumou. Asseyez-vous. Ministère public. Merci, Monsieur le Président. Merci également, honorables assesseurs. Monsieur le Président, le parquet a sollicité la comparution, la confrontation de M. Blaise Goumou à M. Mamadi Soumaoro sur deux points de contradiction relevés au cours des débats. Monsieur le Président, le premier point, c'est sur la fréquence de la présence de Blaise Goumou au centre d'instruction de Kalea. Et le second point, c'est par rapport à l'uniforme qu'il portait, mais également le béret. Alors, je voudrais poser la question à M. Mamadi Soumaoro. Président. M. Soumaoro, lorsque vous avez comparu en qualité de témoin devant ce tribunal, vous avez eu à tenir des déclarations selon lesquelles M. Blaise Goumou était fréquemment au centre d'instruction de Kalea, contrairement à ces déclarations selon lesquelles il n'était nullement lié au recrut de Kalea. Alors, est-ce que vous confirmez ces déclarations selon lesquelles M. Blaise Goumou était fréquent au centre d'instruction de Kalea? Mamadi Soumaoro, il n'y a pas tribunal Nyakoroya, à Forebolo. Comme M. Blaise Goumou, quoi Wadia de Tre Kalea de Atre et Wati Bé. Allez donc, quoi Amase Kalea depuis Apana Aïla Instruction. Koni Barakuma ou la loca for Ko Kera. Donc, le président n'a jamais le follow. N'a il faut follow. Si le président autorise, je vais vous saluer d'abord. Donc, vous pouvez répondre, si vous pouvez répondre directement, c'est bon. Très bien, oui. Oui, Yavali. Blaise Braletre Kaliali. Blaise, c'était chez lui à Kalea. Kalea, c'était chez lui. D'abord, on y a rappelé là maintenant. D'abord, ce que je vais lui rappeler. À quel service que Jamalan connaît plusieurs années. Il a servi dans ce pays là plusieurs années. Président Capitaine Moussa Nani Masayala. Président Capitaine Moussa, quand il est venu au pouvoir. Peuple l'a acclamé quoi. C'est le peuple qui l'a acclamé.
Donc ni peuple fana massacré là. Si le peuple, ce même peuple est massacré. Donc ay kakan ka tunya fo. Ils doivent dire la vérité. Blesse na le kafoko ale tuntola kalia bon vraiment quoi. Si Blaise dit que lui ne partait pas à Kalia, ça c'est difficile quand même. À Kakan Katunya, faut alors ramadien cibre à ce niveau de Kakan Katunya, il faut quoi. Il doit dire la vérité. Pour un être humain, à un certain âge, si vous arrivez à un certain âge, c'est la vérité qui vous convient. Donc, olé, après voilà. Il partait. Monsieur Blaise Gomo, est-ce vrai que vous étiez fréquent, comme l'a dit monsieur Akalia, comme l'a dit monsieur Mamadi Soumaoro? Bon, merci Monsieur le Président, honorable assesseur, je suis véritablement maître. Cette affaire de Kalea, je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut de Blaise par rapport à ça. Quand je suis trôné, affaire Kalea ni malong allié mon effet Blaise ma fanna. Il parle, ça a rapporté des preuves. Mais moi, je vais vous parler avec des preuves à l'appui. Et comme il a si bien dit que, au temps du CNDD, moi, au temps du CNDD, j'étais un académicien confirmé, lieutenant de galon, comme on le dit. CNDD, Wati, quoi, académicien de confirmé, lieutenant de galon. Monsieur le Président, honorable assesseur, quand je suis rentré de Dakar, comme je vous ai dit, j'ai été affecté à Kalia au temps de l'Ansana Conté parce que je suis venu trouver des recrues là-bas. Ne donc, Kabon Karandia et Dakar, Aïka Nawa Kalia et l'Ansana Conté Watilitre. Aka recrue d'autre. Le chef d'état-major adjoint de la gendarmerie nationale m'a affecté à Kalia en qualité d'instructeur. Chef d'état-major ou la adjoint ou Kankorosi ou Kanawaye, Konye Nkera instructeur lié. L'acte a été versé au dossier, l'acte de ma désignation. On ne peut jamais aller dans une école sans être muni d'un acte de désignation. C'est purement administratif. Sebe min Kanawaye, administration Bolo, ma moi, tu sais, voilà, tiens. Deuxièmement, après la formation, comme l'a si bien dit le général Baldé, quand il est venu, parce qu'il y avait un besoin criard de personnel dans les unités, il a sorti ses recrues et ça coïncidait à l'arrivée du CNDD. Moi, j'ai bénéficié d'un acte d'affectation aux services spéciaux. Le 16 mars 2009. Général Baldé, je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Je suis un service là. Et si vous vous rappelez, monsieur le procureur, vous avez demandé à Kalia la chronologie de l'arrivée des recrues du CNDD. La réponse vous avait été remontée. Il est mentionné clairement que les premiers soldats du CNDD sont arrivés à Kalia en juillet 2009-2010. Alors que juillet 2009, moi j'étais déjà au service spécial. Aïe ka yini kali ke fokker ne aïtolo yara, aïe ka yini kali ke nyemol wara yen, aïe bilare yon konya ima, ko aïe la recrue wara yen 2009 le la, katrenne jera yen service spécial, on tumbrawa. Ça c'est le premier point. Folona ali ouli. Deuxième point, je peux vous affirmer que c'est ma première fois de voir Mamadi Soumaoro. Dans ma vie, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais rencontré. Et lui, s'il dit qu'il me connaissait, moi je dis que ce n'est pas vrai. Je vais vous prouver par A plus B que ce qu'il dit, ce n'est pas vrai. Pas de preuves, hein? Aflananda fort. Ka foyen ko foloman dan ne Mamadi ni nali ko ko ale kan ni long tun ya taro ne balon te a folona de te ka fo ko nyale. Pour vous prouver, monsieur le président, honorable assesseur, qu'il ne me connaît pas et que moi je ne l'ai jamais vu, lors de son passage, il a dit que je partais à Kalia, j'arborais béret rouge. Monsieur le procureur a fait sortir des photos
une photo. Il dit, ah, vous dites que Blaise partait là-bas en bleu rouge. Il dit oui. Est-ce que vous le reconnaissez ici? Ah oui, oui. Allez les gens, ça veut dire que c'est lui même, c'est lui vrai, vrai, c'est lui qui partait là-bas. Alors, monsieur le président, honorable assesseur, je viens de vous le dire qu'il s'est trompé de la personne. La personne là qui dit que c'est cette personne là qui partait à Kalia, cette personne, c'est pas Blaise. Voilà cette personne à l'extrémité droite du capitaine Moussa Dadis Traoré et Moussa Dadis Camara qui est en cortège avec ses éléments du salon. Si je mens, monsieur le président, et je vous ai dit que je ne vais pas mentir, je suis en train d'éclaircir la lanterne de votre tribunal. C'est bon, c'est voilà. Bon. Mais monsieur Moussa Dadis Camara peut venir tout de suite. Il va vous dire le nom de la personne qui est sur cette photo. S'il dit que c'est Blaise, tout ce que je vais vous dire, vous ne me croirez plus. Donc c'est il bon. S'est trompé de la personne, c'est pas moi. C'est bah, bon. Kafo kwa kanilong. Akumarayan, aika sebe dola, aika photo irakala. Aika moto, aika mainika kwa trewala de kofula suba drebidina kuna kofula ule mbere rouge. Aika photo yodoka irakala kwa yanko wa kwa lele jo. Kome ko ole odi kwa barafili. Kwa ye momi mate. Kwa fili ni ne. Kwa nete ni nete wadide. Ni Moussa Dadis na rasisen. Ale mwole fanayim. Photo ya keren keren fedi. Adisa fola jonti ye woti. Voilà, même folie. Hein? Ce que je peux vous dire. Moi, même photo là-bas, au ah, celui qui a sur la photo là-bas, vous pouvez l'appeler, il peut venir. Clean de Oli. Ça, c'est un. Aflaya. Deux. Ni Blaise Kafoua, le Tuntewala Kalia. Si Blaise lui dit que lui, il partait pas à Kalia. D'abord, Kalia très commandé, les gendarmes, il est boulot. D'abord, Kalia était commandé par les gendarmes. Armée Tunte. C'était pas l'armée. Armée Sita Kraman, comment Kalia était géré Niamima? Aucune personne de l'armée ne sait comment Kalia était géré. Voilà, ni Blaise, ni Blaise qui se sont allés dans la Kalia d'abord. Ah, ma branole, parce qu'à la chef, même Tamini, au moins, au fort, parce qu'il est très Kalia géré là. Bon, si Blaise dit qu'il ne partait pas à Kalia, moi je ne suis pas surpris, hein, parce que ces chefs qui sont. S'ils sont succédés ici, ils n'ont pas reconnu que c'est eux qui géraient Kalia. Voilà, j'en ai un chef qui t'a amené à Oulumakouma, Oulumafoka, faut pas les traiter. Les gendarmes, les chefs gendarmes qui sont venus ici, ils n'ont jamais dit que c'est eux qui commandaient Kalia. Donc, comment ça m'a dit, on était où il y a là, Amani Longkroman, Kafo, Aman Lo. Je dis, il n'y a pas beaucoup de déclarations. Je dis, au premier rate, vous ne me connaissez pas, je n'ai pas l'intérêt de mentir sur mais après, voilà, rassemblement créé là. Il partait, il créait un rassemblement là-bas. Pourquoi il a peur aujourd'hui? Parce qu'ils savent que ce qui sont passés là-bas, c'est grave. C'est pour cela que tout le monde a opté pour la dénégation. Ah, celui qui est sur la photo là, vous pouvez le faire venir. Hein. C'est ça? Oui. Monsieur le Président, encore une fois de plus, je ne partais pas à Kalia, j'étais au service spécial. C'est bon. Voilà. Allez, on va être là. C'est bon, s'il vous plaît. C'est quoi, Kainte? Présent quoi, Kainte? C'est bon. L'un de c'est bon. Présent quoi, Kainte? Oui. Monsieur Soumaoro. Présent. Également, dans vos déclarations ici, lors de votre passage, oui. Vous avez dit que monsieur Blaise Gomou oui. Portait, arborait des bérets rouges. Est-ce que vous le confirmez? Est-ce que Ibarakuma Ovanalo? La Guinée est bien au moins. Toute la Guinée est unanime sur ça. Il portait les bérets rouges. Tout ce qui était dans l'armée, il savait en ce moment que c'était ça. Je vais mentir sur lui pourquoi. Quand il venait au rassemblement, il arborait le béret rouge. À Tumbaké, dans le rassemblement, il faut que vous le bidinez. T-shirt noir très américain. Il doit être béret rouge. Même ceux qui portaient les t-shirts noirs là, certains portaient des bérets rouges. Comment là les morts? Mais ce n'est même pas, ce n'est pas lui en tout cas, même d'autres personnes. Oui, monsieur Blaise Gomou. Monsieur le procureur, encore une fois de plus, je vous dis que je n'ai jamais porté béret rouge dans ma vie. Eh.
Je n'ai jamais porté béret rouge dans ma vie. Konna balero depuis ne sera dans ma béret rouge bi dinkundo. Et le port de béret rouge est réglementé en fonction des services d'appartenance. Ko service le wolé fula bi wulem di nay funa. Ma lettre là non. Mais toi tu portais hein. Je vais vous dire monsieur le procureur, après ici certainement si tout se passe bien, j'irai à votre bureau, je vais vous donner les instructions écrites qui réglementent le port de l'uniforme que j'ai reçu à Dakar pendant ma formation concernant les infractions d'ordre militaire. On ne peut jamais se permettre d'arborer une tenue militaire tant que le service pour lequel vous servez ne recommande pas. Alors il n'a qu'à dire quel est le service qui nous a arboré, qui nous a doté en blé rouge. Komba konambora yandi wela biro la kaira kaila saria mi ya rofani mi ye sora si ya rofani wo ikebe bilina mo kana nyama ko parce que nkalo bari fani wo bilina li foni ye barala yoro mi baro yoro woli ya mor la ku ya bi et mieux monsieur le procureur un instant. On ne peut jamais être plus royaliste que le roi. Notre chef de service est venu ici, vous l'avez demandé. Il dit que mes éléments ne portaient pas blé rouge. Certains même trouvent les moyens pour lui dire, non, vous ne portiez pas blé rouge, mais vos éléments portaient blé rouge. On portait blé rouge, on portait sur... quel insigne sur les blé rouge? Un. Deuxièmement, quand j'ai venu, il a décliné l'offre. Il a dit qu'on ne portait pas. Celui qu'on est venu, il a dit qu'on ne portait pas. Mais depuis que cette affaire de photo là est apparue, je ne sais pas, c'est venu d'où, tout le monde s'accroche à Blaise. C'est bon. Pour prouver que... C'est bon, s'il vous plaît. Monsieur le Président. Vous répétez les mêmes choses. Non, c'est ce que je veux dire. C'est bon, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Sans oublier que cette affaire de béret rouge a été longuement débattue. Voilà. Voilà, donc c'est pourquoi je vous arrête. Merci. Voilà, ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Merci, Monsieur le Président. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Vous avez dit que vous ne portiez pas de béret rouge. Je ne portais pas. Voilà, donc c'est ça. Et ça, ce n'est pas ma photo. C'est bon, s'il vous plaît. Le président peut confirmer. Parti civil. Défense. Merci. Monsieur le Président, honorables assesseurs, Monsieur le Président, je pense que c'est clair comme de l'eau de roche. En tout cas, les détails donnés par Monsieur Blaise Goum. J'aimerais juste, comme il vient de le dire, la photo qu'on a exhibée, la personne qui se trouve sur cette photo, qu'on présente comme étant le colonel Blaise, la personne se trouve dans un cortège du président Moussa Dadis Camara. C'est une question. Juste, c'est une demande que j'aimerais formuler. Si c'est des demandes, ce n'est pas le moment des demandes. S'il vous plaît. Si vous permettez, monsieur le président. S'il vous plaît, c'est pour poser. Si... Je vous dis que c'est pour poser des questions. Si vous avez une question. Okay. Monsieur Soumaro. Monsieur Blaise Goum a produit des documents qui prouvent qu'en 2009, il n'était plus à Kalea. Monsieur Roko, Blaise Goum, il est là, il est là, il est là, il est en 2009, il est traité Kalea. En tout cas, la défense de M. Blaise a produit des documents en la matière, notamment la décision de la mise à la disposition du colonel Blaise aux services spéciaux chargés de la lutte contre la drogue et le grand banditisme. Quoi, il a avocat Tumbara Olawa, Watiro,
sebe min kala wa service spéciaux anti drogue là. Et cette décision date du 16 mars comme il a dit 2009. Oye masqueré taro teletani woro 2009. Signé du général Baldé. Ko général Baldé bolono li wala. Sebe wuka. Chef d'état major de la gendarmerie nationale d'alors. Maintenant, comme vous dites que le colonel Blaise fréquentait Kalea, c'était celui. Est-ce que vous avez, à part de vos simples allégations, est-ce que vous avez des documents pour contredire les documents produits par le colonel Blaise? Enfin, maître, hein? De vous dire, maître. D'abord, Aka la chef même, le cadam le général Baldé Mankana, où il est folok à Jamfa là-dedans. Les chefs dont vous parlez là, de général Baldé et Outla, c'est eux-mêmes qui ont formé la trahison d'abord. Voilà. Au fin, hein, parce que dans les traits qu'a interdit Kobe, Aïkana Bélé Rougidon, Aïtana Duna. Si lui l'avait fait l'interdiction de ne pas porter les béret rouge, il n'allait pas le porter. Alors Kalea très commandé ni gendarme ni l'armée tuntei, Blaise très ni. Kalea était commandé par les gendarmes, c'était pas l'armée, Blaise y était. Ah, il a papier fabrication à autoy, à très. Les papiers fabrication là, laissez ça. Je pense que ma question n'a pas été répondue. C'est dit. Alors chef, tu en taille fait quoi? Ils n'ont pas raison, les chefs là, ils n'ont pas raison, ce que je voulais vous dire. Zedi, est-ce que vous avez des documents pour contredire les documents que nous avons produits? Ou bien est-ce que vous pouvez prouver la fausseté alors du document que nous avons produit? Koni sebel yibolo sebel dim dise aita sebel korokola. Ne la témoignage kaboa il a papier obedi. Moi mon témoignage c'est plus grand que vos papiers là. Voilà. Votre simple témoignage, vos simples allégations ne tiennent pas la route parce que Blaise a été clair là-dessus. C'est bon. Mon colonel. Oui. Il y a eu une demande qui a été adressée par le parquet à l'acteur directeur du centre de formation de Kalea. Et ce dernier a produit la chronologie. En tout cas, des différentes formations, des encadreurs. Et à la colonne 2, intitulée juillet 2009-2010, arrivée des soldats du CNDD. Est-ce que vous avez vu votre nom dans cette colonne? Bon, on a comme l'impression que c'est ça a tout l'air d'un interrogatoire maintenant. Vous posez une question, s'il vous plaît. Vous posez une question à M. Soumaoro, vous posez une autre question à M. Blaise, parce que ce n'est plus la même question. Donc ça prend l'air d'un interrogatoire. Mon colonel, ce n'est plus une confrontation. Je termine. Mon colonel. Est-ce que en 2009, au moment où vous étiez déjà au service spéciaux, est-ce que vous aviez une fois mis pied au centre de formation de Kalea? Merci beaucoup. Je n'ai jamais mis pied à Kalea. C'est bon. Pour faire quoi que ce soit. C'est bon. Et quand est-ce que vous avez fait la connaissance de M. Soumaoro? Je n'ai jamais connu dans ma vie. Ko 2009 c'est très utilisé en Kalea ko masse en long keling ko ika monsieur Soumaoro londi ko jere mani non ala depuis aller sur la mani Blaise mané londi. C'est bon, s'il vous plaît, c'est pas une question pour vous, hein. Donc, pour le moment c'est pour ça que je m'arrête là. Il a dit que c'est... oui, vous le connaissez pas, mais vous partez au camp. Voilà, c'est pour vous dire que c'est bon. Vous n'avez pas la parole là. Vous avez répondu à la question qui vous a été posée, bon. Parce que ça prend l'air d'un interrogatoire. On reprend l'interrogatoire. Donc, je m'arrête là. C'est clair comme de l'eau de roche. Il n'y a plus rien à dire. Franchement. Je m'arrête là.
savez, il ne faut pas qu'on confonde. On a déjà fini, s'il vous plaît, on a déjà fini avec les interrogatoires. C'est sur les points, je ne cesse de le rappeler, c'est sur des points de divergence. Et la confrontation, la question qui doit être posée, c'est pour les deux. On ne peut pas poser une question à l'un, une autre question à l'autre. Ça ne peut plus aller. Voilà. Si vous n'avez plus de questions, c'est bon. On va avancer, s'il vous plaît. Vous avez dit que vous n'avez plus, que vous avez fini, que vous n'avez plus rien à dire. Je peux revenir sur ma demande que je voulais formuler dès le départ, si le tribunal me le permet. Ce n'est pas la période des demandes, s'il vous plaît. C'est pour davantage étayer. Est-ce que vous avez fini avec les questions? Le point sur le port des bérets roubsés présents. Est-ce que vous avez fini avec les questions? Avec les questions, c'est fini. Voilà. Mais si je peux juste. Vous pouvez rejoindre. Pour davantage éclairer ce point, monsieur le président. Vous n'avez plus la parole. Monsieur le président. Merci. Je m'en remets à votre sagesse. Rejoignez vos places. Deux mots. Vous dites? Je voudrais ajouter deux mots. Non, c'est fini. On a fini avec vous. Vous n'avez rien à ajouter. Merci. Rejoignez beaucoup. Vos places. Monsieur Mamadou Lamine Sall. Monsieur Paul Mansa Guilavogui. Ministère public. Merci, Monsieur le Président, distingués assesseurs. Nous avons sollicité la confrontation de Monsieur Mamadou Lamine Sall à l'accusé Paul Mansa Guilavogui. Monsieur Sall, lors de votre passage ici, vous aviez dit qu'au lendemain des massacres, alors que vous étiez à la recherche de votre ami Korka Ba, vous vous étiez rendu au camp Koundara en compagnie du lieutenant Barry. Et c'est là où vous avez été intercepté, séquestré avec d'autres pour être torturé. Et parmi vos tortionnaires, vous avez mis un accent particulier sur l'accusé Paul Mansa Guilavogui. Alors la question, vous allez nous dire en deux mots la nature des tortures que vous avez subies et quel a été le rôle joué par l'accusé Paul Mansa Guilavogui. Oh, Fendo, Yawenodon, Dapitugol. Gore de mungo ade mungo korka yaw don ha hewtu don ka kan ka Paul Mansa woni don be marno on don be wadi on lette buyi ko noné lette ji buyi e der dum don wonno be on lettude ben Paul Mansa Guilavogui harno tawa joni hare be humpa ko noné hondum e lette kanko wadeno tigitigi kanko Paul Mansa awa anga basebe gi fe kuye ba isigane manyera re isiga ko ka fende he na ka siga esa so wota makan ku ito so wora geti rameni nyakan kata gbegbe dan sema nyakan kata none gbegbe me miri na renne nyakan kata mera itam pannu na na yama parke na re wama ma hori tife alo ama sembe ki na re itan ton na ne yama itan nu nyakan kata model mundu sama ama. Monsieur Sall d'abord. Sall, nam, konon taw. Nam. Non en lette den, e kon dum odo waden. Non en lette den do. Les genres de tortures.
D'abord, c'est laisser jusqu'à à une nuit avancée pour nous venir nous traiter de rebelles, nous dire que nous sommes des rebelles. D'abord, au moment où on veut dormir, on veut, il vient crier sur nous. C'est tout ce qu'il a fait. Ce n'est pas ça seulement. Hein. Mais allez-y. Ok. Quand il y a des bombes, il y a des gens qui sont là. 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 Anaka kwere famane ifa songo humma mugoni wa ma khife ler na ga prokena ma hora anaka birina nek adi nam abir munaki ifamane enun ginera ifa songo humma ler ni ndara nya fala ma benda a wo bay modeli da bafi wonda ko mitertomo e fala enaka bilem fora wonda colonel aidor ba si fini be yetomo yo accu l'erinde koedor aidor no kunu afala bana ka dialu. Vous traduisez d'abord pour le tribunal, okay. Après maintenant vous parfois, faites la même chose. Parfois le colonel Aidor se réveille et dit, dis donc, laisse, cesse de faire ça. Ben ne vois si t'as acheté le valgo si fan de siwéti mais elle n'est bégré. Mais oui siwéti mais elle n'est bégré. Si tu ne laisses pas de faire ça, le lendemain je vais dire ça à bégré. Khémunalu kuyeni ba na fala mené bégré ben. Bien, pour le moment, vous avez dit simplement que M. Paul vous traitait de rebelle. Et pendant la nuit, il vous criait dessus. C'est tout ce que vous avez dit. Est-ce qu'en dehors de ça, il a fait autre chose? Rebelle. Non, quand il y a des gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Quand il est venu avec la bière aussi sur nous, on s'est insulté entre nous. Il t'a fait bérer, fangir, c'est les mains. Awo boro combiné. C'est tout? Non, c'est quand on donne faux. Ah, c'était demi wa si faire des faux. Si je peux dire tout. Mais vous êtes là pour ça. Mais quand on a demandé. Seulement, nous voulons. Voilà. Nous voulons. Pas une maison qui mène le haut au hibai lambert. Quand je me suis discuté avec lui ce jour-là, il a dit qu'il allait verser la bière sur moi. Ah, que n'y a de mille mille sahibai lambert, mais t'as égosé au fil d'argent. Bon, c'est en ce moment que moi je l'ai dit. Si tu me verses ça, je vais arracher l'objet avec lequel tu urines. Il n'a pas la naga nous, il n'a pas fini ma. Et voilà, vous m'avez dit que vous n'avez pas de problème. Là-bas, ce jour-là, c'est jusque-là. C'est tout? L'année. Donc, monsieur le procureur, si vous avez relevé des points, dites ces points de contradiction entre les deux, parce que à cette allure-là, il risque de revenir carrément sur toute l'audition qui avait été faite. Non, monsieur le président, vous permettrez? Yeah. Je lui ai posé la question qui nous précise simplement la nature des tortures qu'il a subies. Ça nous permet de poser la même question. Parce que vous avez dit plusieurs fois, c'est tout, c'est oui. Tout, c'est tout, c'est pourquoi on vous le dit. Si vous-même vous avez relevé des points, vous pouvez leur opposer les deux ces points-là. Monsieur le président, je ne veux pas le guider justement. C'est pas moi de le guider. Je lui pose la question parce qu'il est passé ici, il a déjà parlé, il sait ce qu'il a dit ici. Je veux simplement qu'il nous dise ce que Paul a eu à faire et je repose la même question à Paul. C'est tout ce que je veux. Donc, il a dit que Paul l'a traité de rebelle, que Paul lui a crié dessus et également, comment on appelle, il lui a versé du vin. Est-ce qu'en dehors de ces trois cas de torture, il y a eu autre torture? Eh bien, Paul y est nima, au fin de nima djemma, au son qui est ma. O falno hibbu da berema badi dum don fus ko lettego wadali ka e ko pakina no men sardi. Bon, c'est le fait de nous superposer aussi. Voilà, ça fait 4. Woni nay, c'est tout. Imane samane e boro fari
C'est tout, c'est ce qu'il vous faisait. Ouais, là-bas, c'est ça. Bien. Alors, Monsieur Paul, vous avez suivi Monsieur Sall. Est-ce que vous aviez commis ces actes-là? Paul Ibarra, mais est-ce qu'on arrive à faire qu'il n'y a pas de Alhamdulillah, Rabbil Alamin, dans tu n'as pas. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, louange à Dieu. Celui qui parle comme ça, alors falari asgane makambo anondi. Ce qu'il a dit, qu'il a été à Makambo, c'est vrai. Oh, on doit y aller tous les jours. Quoi qu'on roule, on dit donc, on y a un Makambo, donc on a dit qu'on y a un. Mufira, parce qu'une tante n'a rien à n'a. Pourquoi? Parce que moi je suis à la porte. Si on doit m'ing, on va damal miwoni. Et femme en est d'engouement tant n'a, échoue. C'est moi qui dépasse là-bas pour rentrer. On fait quitter le Sénat en Kakour. Quel fait Nader, c'est la fille Mourabal, en dit de Tagikuya. La distance qui sépare la, de la porte pour notre base, c'est un peu distant. On a dit que c'est là, il y a un damal, il y a un canard, il y a un base. Moi, garde 24 heures. Nara. Cadre à mes oncles, 24 heures. Notre cas, c'est 24 heures. 8 heures à 8 heures. De 8 heures à 8 heures. Londe, Gifane, il y a un dingue. Un jour, ceux-là sont venus, ils sont passés, nombreux. Il y a un qui pleurait parmi eux, je ne sais pas celui qui était. Il y a un déplacé. C'est le bras qui était déplacé. Maintenant, tout ma faction, ma quand ce dernier a crié, ils sont passés. Ma faction, quand moi j'ai terminé, alors, quand je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé ce gueule là qui pleurait, je suis monté, j'ai trouvé, mais je ne peux pas le reconnaître parce qu'il y a longtemps. Monsieur le Président, avec votre permission, je. Est-ce que vous avez torturé M. Mamad Lamine? Je ne l'ai jamais torturé. Est-ce que vous avez remarqué sa présence au camp Koundara? Est-ce que il y a à Roma? Pourquoi j'ai dit que j'ai remarqué? Parce qu'il a fallu la déclaration. Ah, tout n'est donné sous ma mine. Parce que dans sa déclaration ici, il avait dit qui m'a vu offrir de beurre de karité à quelqu'un. Donc vous êtes convaincu. C'est là-bas que c'est à cause de ça que j'ai dit qu'il a été là. Parce que nous avons le premier jour. Donc si m'a connu, c'est ce jour-là où j'ai offert le beurre de qualité. Parce que quand j'ai acheté ça, c'est un petit que j'ai fait sortir. Bien, c'est bon, vous avez déjà dit ça. Donc vous êtes convaincu que M. Mamad Lamine Sall est passé au camp Koundara? Selon son dit. Est-ce que vous êtes convaincu de qualité? C'est pour cela que j'ai convaincu. Bon, quand il a dit que j'ai offert du beurre de qualité, c'est pour cela que je suis convaincu qu'il a été là. Voilà. Monsieur Mamad Lamine Sall, est-ce qu'il s'agit bien de ce sergent Paul? Est-ce que c'est bien lui? C'est lui-même. Merci, Monsieur le Président. Et on a terminé. Parti civil. Défense. Merci, Monsieur le Président. Allez-y, maître. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, et encore une fois, nous sommes satisfaits de ce qui vient de se passer. Je vais m'adresser à Monsieur Sall et après à Paul Massa. Monsieur Sall, dans vos déclarations, vous avez tantôt parlé du commandant Beugré. Vous aviez dit que parfois Beugré ordonnait à Tanène de vous donner des coups.
Et que Tanene à son tour choisissait des exécutants. Et dans votre déposition devant le juge d'instruction, votre avocat, Maître Martin Pradel, vous a montré des photos où vous avez reconnu un soldat qui aurait assisté aux abus que vous avez subis. Beyaltini beyaltini mbodo goddo goddo mu andituro haro wada no lette so di jogo. Mais ici vous dites que on vous entassait. Do on inni be dewti dire no. Est-ce que l'ordre provenait directement de Paul Mansa? Oui ou non? Wo sitay ko Paul Mansa yamire no. Kandare kamen so ka tongo kanko watta. Là où on était enfermé, c'est lui. Non, je parle du moment où on vous entassait aux mains. Oh, au fin de bédé, où tu dis le temps. Oh, quand nous n'avons pas le temps. Quand nous n'avons pas le temps. Oui, dans la prison là-bas, c'est lui. C'est ce que je vous dis. Donc, l'ordre provenait directement de lui. Quand on y a mis les noms, Paul. Quand on entend le temps. C'est lui qui le faisait là-bas, même, lui-même. Voilà. Monsieur Paul Mansa. Plusieurs maîtres. Quelle autorité vous aviez pour pouvoir donner des ordres de ce genre? Mangaya mundune il est en train d'ordre modèle ici mais. De donner nous amène comme sergent. J'étais là-bas comme sergent. Simple sentinelle. Simple sentinelle. Où quand quoi qu'au sergent Dieu. Sentinelle. Ordre mounira tout. Ordre mounira tina. Alors Dieu garde le fusil à mirror. Mahinante anamani aman sera hangé iri. C'est la générosité qui m'a envoyé jusqu'à la prison. Mahinante anani. C'est ma générosité qui m'a envoyé jusqu'à la prison. Si j'étais resté dans mon poste, ce qui m'est arrivé comme ça n'arrive pas à m'arriver. Aussi, quand vraiment que tu as des harus, yurmen demain qu'on est navi moi, ah kaso. Sinon, non, l'autre nos capos, ma quoi, et bata nos quoi bido. Oh yurmen yon quoi. On va yurmen d'abord dans le caso. Lui il peut avoir le sentiment de pitié à quelqu'un en prison. Et le caméwan t'as donné ça à mon caméwan non. Là où nous sommes comme ça là, il a une petite chambrette comme ça là à côté. Oh, attends, il me dégoûte. Lui ne peut pas avoir le sentiment de pitié. Je peux parler. Je continue. Paul Mansa. Maître. On dit tantôt Beugré, on parle de Tanen. En même temps, on parle des exécutants. Est-ce que M. Sall se trompe-t-il sur votre personne? Begré, il n'a pas été fait pour la mabé. Et Begré a fait pour la mabé. Est-ce que vous avez entendu ou imagné? Non, madame Faladé. Ce que je peux dire. Guinambirim Falari. Tout ce que ce dernier a dit. Moufarabanago. Nous allons tous mourir. Hein. Deuxième jugement. Alors, oui, mais nous avons un bébé. Le deuxième jugement, ça serait chez Dieu. C'est plus effrayant qu'ici. Kagintan Kolongui. Si ce dernier me connaissait. Nous m'a dit Tagui. En Koloman, n'a pas tiré. C'est la partie là où j'ai donné le beurre de karité à quelqu'un. C'est là-bas. Non, non, comme Feignari. Wallahi, nous m'a dit Soulofiri Tagui à Tananaki. Ce que j'ai fait comme mal entre moi et mes sept enfants, c'est ça. Mais Gina Flantana Bombo. Odumuni. Commandant Mouna, garnison Mouna, si lui secrétaire Mouna. Je ne suis pas commandant, je ne suis pas secrétaire. Qu'est-ce que je peux le faire là-bas? Au Kanko, au Frasandi, Montier Kowadi Konfo, si tu es bonheur Kowadi, Montier Nde Wontani, mon bonheur, parce que Johnny Oya Ne Bankar Konfo, si Anna Inni Mopi, il a un commandant, il a un secrétaire, ou donc il a un Hagigano. Monsieur Sall, Monsieur Sall, Nam, est-ce que vous confirmez? Lorsque Paul Mansa dit qu'il a donné du beurre de karité à un détenu afin de se traiter. Est-ce que vous l'avez vu faire ça? Oui, c'était donc dire que Paul Mansa s'est dit qu'il n'y a pas de bancaire, qu'il n'y a pas de bancaire, qu'il n'y a pas de bancaire, qu'il n'y a pas de bancaire. Mais il n'y a pas de rien. Je n'ai pas vu ça de mes yeux. Est-ce que vous l'avez entendu? Oui, c'était un an ou autre. Je n'avais pas entendu parler de quelqu'un là-bas aussi, de cela. Merci. Merci, Monsieur le Président. Honorable Monsieur Sœur, je vous remercie.
Monsieur Sall. Non. En qui on peut croire entre vous et Paul Massa? Votre parole ou celle de Monsieur Paul Massa? Kongol Hongol Jetete, Kongol Mongol Kako, Kongol Paul Massa. Mais s'ils nous ont appelés ici, les chefs, ils sont bien mieux placés pour ça. Ils n'ont qu'à voir de quoi en tenir. Parce que moi, je me dis quelque part que vous êtes victime. Vous êtes victime dans ce dossier. Vous n'êtes pas témoin. Oh, tigi, donc, on a encore goûté un peu donc, l'été boudon donc, on a, il a un CD. C'est pas une question. C'est pas une question. Voilà. Donc à ce titre, alors avec à ce titre, votre parole pèse peu. Le tribunal appréciera Monsieur, ça. Allez-y avec d'autres Monsieur questions. Monsieur Paul Massa. Maître. Voilà la déclaration de Monsieur Mamadou Lamine Sall. Qu'en dites-vous? Mohamed Lamine Sall, Kouine qui est arrêté. Mohamed Lamine Sall, là-bas, on tombe bien. Mohamed Lamine Sall, il m'a accusé. Oh, Mohamed Lamine Sall, Tonyila. Là-bas, on tombe bien. Oh, Tonyila, il m'a accusé. Mais deuxième jugement, Nana. Monsieur Sall. Ah non, 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 il y a un peu de temps. Vous l'avez entendu? Oh, Monsieur Sall, où est-ce qu'on a dit? Oui, quoi. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Ce jugement-là, nous le savons tous, c'est ce Dieu. Ena kiti na ramana ka awon birin na kolu na saraba ma la wonine. Monsieur Sall, nous aimerions savoir vraiment quels sont vos moyens pour convaincre ce tribunal des faits reprochés à monsieur Paul Massa. Wo kambe harebe humpa ko no wadi ton ha tribunal on holo ko wondo yewtude do kon ko hagiga ko wol de mako ngo wadi. Prouvez-nous qu'il vous a réveillé. Plusieurs fois. Qu'il prouve que Paul Massa les a réveillés plusieurs fois. Ah, pourquoi tu as dit que Paul Massa imminent et donc l'habit du bruit, Yemma. Le tribunal appréciera ça. Il avait déjà Paul parlé. Massa, maître. Est-ce que vous avez réveillé Monsieur Sall, Mamadou Lamine Sall? Est-ce que Mamadou Lamine Sall est là pour nous? Mais la mise en avant la fin qui a bangé n'entendait mais n'aime ou bangé mouna moutan bougar tout bas d'un aiguille nana une guerre à deux heures à issoum à mener et mon mince la mise à qu'on voit de deux fois fin qui mais non non voilà maintenant sous le deuxième jugement nana mais garde donc guérit nos audits là où nous on gardait il y avait notre guérite là-bas c'est qu'il dit une gourou il n'avait pas de maison là-bas il moussika mais oui ceci il a deux heures n'a dit il mourait ce qu'il a roumou été là-bas, où donc Marie. Il nous tourne la base à flèche qui a fait grande. Où donc quand même, mais il va t'en occuper où donc. Bah, faut nous donc. Quand il y a photo donc si ça dernier on l'a ni quoi déjà on a au lundi donc. Ça y mène mais déjà où des gens harré mais des courbes mais faut quitter ni. On a harré mais il t'a donc. N'abat pas fait où. Ce n'est pas la vérité ça. Anon di munara. Monsieur Sall, il a versé la bière sur vous. Où aussi t'as eu hibou no bière n'engon. Il avait l'intention, il avait commencé comme ça. Dès qu'il a oui. dit, je l'ai fait quelque chose, je l'ai parlé de quelque chose s'il le faisait. Il a ceci. Taï, Owadal. Si mes femmes qu'on a Owadal. Si je me suis tu là-bas, il allait verser ça sur moi. Hein. C'est parce que c'est ma réaction qui a fait. Donc, quand vous avez menacé, il n'a pas versé de bière. Bah, on demande ni mon hibano et horemo. Si je n'avais pas fait cette déclaration, il allait verser le vin là sur moi. Alors, Paul Massa. Maître. Avez-vous tenté de verser la bière? Après, on a béré Filifama. Maître, qui n'a pas fait la bière? Ce que lui dit là, l'affaire de bière là. Depuis que moi je me suis baptisé. J'ai interdit la boisson. Oh, quand baptise non. Moi je suis chrétien, mais moi je t'ai baptisé. Puis moi je t'ai baptisé. Mubere mi ma mu ya beri ma. Moi qui suis assis comme ça là, la bière je ne touche pas ça depuis que je me suis baptisé. Oh, quand quoi y a ral bere ka ou baptise non. Si c'était pas ce jour là,
aga na lokoy ta mara na lokoy ta nana na mifi gina volanta mbé aga ta wen ntambe anana ni anta mubiri ifilera ma ah na borande gara wo kanko hare dun no ngaldi ni mosa inni bay hari foki tan no hibugol be je suis satisfait par rapport à ce point wo kanko vraiment dun no ngaldi ni mo je suis étonné quand tu dis que j'avais commencé de j'avais eu l'intention de verser la bière sur lui monsieur Sal nam le fait de vous superposer vous dites que c'était lui seul qui était là-bas non là où vous étiez wo kon wo inni o deuti dire non wo c'était kanko tun wonno don ka wonno don ton so heuti kanko e suka gono ton si zarib là-bas avec un jeune aussi onda miandamo kono ce dernier je le connais pas on non se arika ka damalo daroto lui si lui vient il s'arrête à la porte odo onata o yaka sambru mako o yalta lui il vient il rentre dans sa chambre d'abord il ressort si mendarimo on est mendeu nonde dès qu'on le regarde il dit superposez vous il dit oh non lui là c'est bon voilà. Qui disait superposer qui disait on voit une taille on déoute une Paul. Avez-vous dit ça? Paul est en train de faire mais il reste les bourreaux. Non mais là on fallait dire Monsieur le Président. Ce que je peux dire Monsieur le Président. Migi yalangi migi na mufari. Deux personnes bancaires ils n'ont pas sada bourreaux fari ça n'a plus fort que donc trois personnes. On ne peut pas les superposer deux ou trois personnes. Naya wujima kyoki ana fait ça mon mamuna na bari. Wo a des bourreaux ina mais de nous déoute une détaque. Mumu boro kolonto mumu boro kolontina bien yomane ayam baranyo tous même si même pas sont tous mubirin guinéen la guiné kana mubirina nous sommes tous des guinéens ça va finir mais moula mamba kiti manan ça fait mumanaki non du mara mais ce qu'il me taxe comme ça là ce n'est pas la vie koko kunda fawdam dongo ina gonga dongo wala demande ici vous allez nier ça je ne termine monsieur président on va se sûr moi je suis satisfait. Vous pouvez rejoindre vos places. Même si je devais parler, hein? Bon, je ne sais pas que vous voulez parler, hein? C'est pour poser des questions? Oui, bien sûr. Allez-y. D'abord, pour vous féliciter pour la technicité avec laquelle vous tenez ce débat. Parce que là, nous sommes dans un aspect technique, hein? Ce n'est pas un interrogatoire. Là, il faut vous féliciter. Je salue aussi la sagesse du ministère public, mon adversaire universel. Paul Massa, monsieur le président, vous vous rappelez toutes les choses, c'est pourquoi vous dites passons, c'est bon. La défense de Toumba avait décidé de voler à son secours. Nous le faisons. Monsieur, là-bas. Est-ce que vous savez que lui, il a été arrêté dans un garage? Aussi, tu es dans un dehors de coca garage, ben n'engimo. Mais andale. Je sais pas ça. Hein. Son lieu d'arrestation, il était dans les mêmes problèmes que vous. Où vous avez été arrêté, Paul Massa? Garage, sous garage, non quoi. On m'a pris dans un garage. Au coca garage, ben n'engira. Vous avez été sauvé à cause de quoi? À cause de parce que j'ai voilà, détenu. Tu as dit que tu es Guilavogui. Parce que je suis Guilavogui, dans nous sauver. Est-ce que vous le savez de l'autre côté, vous le savez? C'est à cause de le fait qu'il soit Guilavogui, c'est ce qui l'a sauvé. Il a été sauvé parce qu'il était forestier. Est-ce qu'il n'y a pas erreur sur la personne? Est-ce qu'il y a un mot en temps, mais il n'y a pas de faire. Ah, il faut que tu ne fasses. Bon, il n'est pas trop tard de se repentir. Est-ce que vous n'êtes pas trompé? Est-ce qu'il y a un mot en temps? Moi? Et c'est vous? Oui, au Kono. Ce n'est pas la nuit, hein. Nous sommes pas là dans la nuit maintenant là. Bon,
il a voulu verser la bière sur vous alors qu'il était dans un garage. Mais il faut la déverser sur Pierre Yomba, Paul Yomba, il va la boire. Est-ce que ça vous envoie à l'enfer? Quand on verse la bière dessus, ça vous envoie à l'enfer? Aussi bien, Hibbi. Non, c'est bon, ça n'a pas d'importance. Question. Est-ce que celui-ci, vous ne le savez pas, il souffre à cause de ce que, au rassemblement général, lorsque le chef d'état-major, il est devenu chef d'état-major général des armées, a humilié son papa, c'est lui qui a rectifié au rassemblement général son papa. Est-ce que vous savez ça? Bon, ce point n'intéresse pas cette phase, toi. Non, mais la question doit revenir à l'autre. Est-ce que ce n'est pas votre problème? Si vous êtes là aujourd'hui, Paul Massa, c'est pas ça le problème? C'est ça le problème. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Vous pouvez rejoindre vos places. Monsieur Kierno Souleymane Baldé, Monsieur Mamadou Kali Gallo, Monsieur Moussa Kegoro Kamara. Ministère public. Merci, Monsieur le Président. Silence, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs, nous avions voulu également une confrontation entre Maître Kierno Souleymane Baldé, Monsieur Kali Gallo et l'accusé Moussa Kegoro Kamara. Maître Baldé, après les massacres du 28 septembre 2009, au nombre de 11 activistes, vous vous étiez retrouvé à la maison des jeunes de Dixine-Port pour protester justement sur la manière avec laquelle cet après-massacre était géré. Et vous dites que aux environs de 20 heures, Colonel Kegoro et ses hommes sont venus vous enlever pour vous conduire à leur service au camp Alpha Yaya Diallo, là où vous avez été séquestré et torturé. Vous allez nous dire en deux mots comment cet enlèvement a eu lieu et la nature des tortures que vous avez subies au sein de leur service. Merci beaucoup. Je tiens juste à préciser, nous avions organisé une grève la faim pour dénoncer non seulement la violence, mais aussi exiger à ce qu'il y ait des négociations entre les différentes parties pour éviter de nouvelles violences. Donc, avant même que nous organisions la grève la faim... Bon, vous pouvez nous dire l'essentiel, s'il vous plaît. Vous aviez déjà expliqué tout ça. Oui. Dites-nous l'essentiel. Tout à fait. Donc, on avait informé tout le monde. Et nous avons organisé la grève de la faim. Le premier jour, ça s'est bien passé, comme je l'avais dit. Mais c'est vers 20h, nous étions à l'intérieur de la salle, couchés sous des matelas. La porte n'était pas fermée à clé. Et il y a Colonel Kegoro qui est venu devant nous. Et je suis content de le regarder et de le voir en face. Il a défoncé la porte avec ses hommes. Il est rentré. Ils sont jetés sur nous, ils les ont tirés certaines personnes par les pieds, d'autres par les mains, ils ont traîné
de la salle jusqu'à l'extérieur où des pick-up étaient garés, comme si nous n'étions pas des êtres humains, comme si nous avions commis des crimes abominables, alors que tout ce que nous demandions, c'est la non-violence. On n'aurait jamais pu imaginer un activiste qui demande la non-violence, qui organise une grève de la faim, soit traité de cette manière. Et une fois à l'intérieur des pick-up, comme vous le savez, il y a les bancs où les gens s'asseyent et en bas, on nous a fait asseoir. Ils sont montés, ils ont mis leurs pieds sur nous. Même si c'est des animaux, ils ne l'auraient pas fait. Les insultes, je ne les répéterai pas. Il nous a envoyé au camp Alpha Yaya Diallo. Arrivé sur place, devant ses bureaux, il a demandé qui était le chef. J'ai dit chez moi. Il dit, ah oui, c'est toi qui viens s'aimer le trouble ici, tu vas le regretter. C'est quoi une grève de la faim? C'est une forme de terrorisme moderne. Et je répète mot par mot. C'est une forme de terrorisme moderne. Il a ordonné à ces gens d'envoyer des pains. Et je précise des pains libanais. Puisque c'est différent par rapport au pain tapalapa. C'était des pains fades. Avec du corn en bœuf. Il nous a dit, vous avez deux options. Soit vous mangez, ou bien sans coups sous les fesses. Vous choisissez. Je pense que la question n'a pas tardé à avoir de réponse. Nous avions tous les mains sales puisque nous a traîné dans la boue. C'est avec nos mains sales qu'on a ouvert les boîtes de corn en bœuf. On a mis dans le pain, mais on ne pouvait même pas manger en fait. Mais on n'avait pas le choix. Il fallait avaler. Puisque si tu n'avales pas, tu sais exactement ce qui t'attend. Il nous a fait avaler bon, certains morceaux du pain. Et ensuite, il nous a mis dans un conteneur qui était posé juste devant ses bureaux. En face de ses bureaux. Comme si nous étions des animaux. Et à l'intérieur, il y avait des personnes. Il n'y avait rien à l'intérieur à part des cartons que les détenus avaient mis sur place. Et quand nous sommes arrivés à l'intérieur, ils ont fermé la porte comme si nous étions des marchandises. Aucun aspect humain, aucun sentiment. Les deux détenus qui étaient à l'intérieur, il y a l'un d'entre eux qui a commencé à nous menacer. Heureusement, le second détenu l'a empêché. Il a pris le carton qu'il avait avec lui, il me l'a donné, il m'a demandé de me coucher sur place. Et quelques minutes après, il y a des agents qui sont venus me chercher, moi et Maître Christophe Koné, à l'intérieur du conteneur. On m'a envoyé dans une salle où il y avait une chaise, mais une chaise roulante qui pouvait tourner. Il y avait un civil. L'interrogatoire a commencé. À chaque fois, quand il pose une question, la première chose d'abord, c'est qui nous finançait. J'ai dit, nous n'avons absolument aucun financement et nous n'en avions pas besoin puisque les moyens que nous avions utilisés pour organiser la grève de la faim n'étaient pas des moyens considérables. Ils ont dit c'est faux que nous étions financés par d'autres personnes et il fallait l'avouer. Dans le cas contraire, nous allions subir les conséquences. Et si la question n'était pas satisfaisante, c'était des gifles et des insultes. Ça a duré, si ma mémoire est bonne, à partir de 21h30, comme ça, jusqu'à 2h du matin. Et je ne pouvais plus. Je lui ai dit, bon, vous arrêtez, vous écrivez tout ce que vous voulez et je signe. Ils ont écrit ce qu'ils voulaient, ils m'ont donné, j'ai apposé ma signature.
Malgré cela, il y a l'un des gendarmes qui a continué à me frapper. Il y a un second qui lui a dit non, non, arrête maintenant. Il me reconduit à l'intérieur du conteneur. Il y a, je ne sais pas ce qui s'est passé à mon absence par rapport aux autres, mais il y a des gens qu'on cherchait et ramenait, et le lendemain matin, ils ont fait sortir tous devant le bâtiment principal. Il y avait professeur Koutoubou Sano et le colonel Abdoulaye Serif Diaby qui est là. Et j'espère que vous allez l'appeler. Il était présent, les deux. Professeur Koutoubou Sano nous a dit que c'est capitaine Dadis Camara qui l'a envoyé pour nous demander d'arrêter la grève de la faim et que nos revendications seront tenues compte. Ils nous ont pris de Camp Alfaya pour nous amener à l'hôpital Donka. Parce qu'avec le traitement que nous avions suivi, il y a certains d'entre nous qui avaient des blessures. On nous a alignés à l'hôpital Donka comme si nous étions des criminels comme on voit à la télé, alignés, et les gens nous regardaient puisque moi personnellement, je ne portais plus de chemise. On nous a examinés, il y a eu des soins, et ensuite, professeur Koutoubou Sano nous a envoyé dans un restaurant juste au niveau du pont 8 novembre. Colonel Diaby, il était présent. Et après, nous devions aller rencontrer capitaine Moussa Dadis Camara au Camp Alfaya. Nous avons attendu pendant une certaine période. Monsieur le Président. Et continue notre état. On va l'arrêter là. C'est bon. Bien. D'accord. Bien. Merci bien. Monsieur Kali Diallo. Monsieur le procureur. Est-ce que vous confirmez les déclarations de maître Tcherno Souleymane Baldé? Oui, sauf que je reste catégorique, c'était aux environs de 0h que colonel Thiéboro et les pick-up étaient venus avec une violence hors pair pour nous prendre, nous humilier après avoir traîné. D'abord, on avait sorti les populations, les citoyens, avec le chef quartier. Il vous en souviendra lors de mon passage ici le 3 octobre. Son avocat avait promis de faire passer ce chef de quartier. Parce qu'effectivement, j'avais expliqué, colonel Thiéboro estimait que lui était redevable. Parce que c'est en violation de toutes les règles qui doivent gouverner une administration qu'il l'avait nommé, qu'il l'avait choisi. C'était soi-disant une journée d'assainissement. Il est venu, il dit où est le chef quartier qui était élu. Lui, il n'était pas là, il dit je te nomme chef quartier. Malheureusement, j'ai attendu l'arrivée de ce chef quartier pour comparer. Et finalement, je sais que pour des questions de sincérité, il n'a pas accepté de venir. Voyez-vous, donc il avait mobilisé ce chef quartier avec des populations après avoir nous taxé avec l'eau que nous avions estimé de prendre pendant ces 5 jours-là, des terroristes. Comment des étrangers, vous acceptez ces étrangers ici avec toutes les menaces possibles de nous faire périr et de dénicher tout ce qui avait financé le réseau, les terroristes, ainsi de suite. Il nous a envoyé au camp. Il nous a envoyé au camp aux environs de 1 heure. D'abord, je précise que avec les niches de pain, on était filmés. Il vous en souviendra que dans l'esprit que nous devions passer dans la rubrique d'Adi Show. Donc au moment de prendre le pain, il y a les caméras qui sont là, on vous filme. Et après, il nous a jetés dans le conteneur. Moi, pratiquement, c'est aux environs de 2 heures qu'on était parti m'extraire dans ce conteneur-là et pour des interrogatoires. La question, il fallait dire qui nous finance, ainsi de suite. Et le lendemain, j'étais là, encore une fois, je le répète, j'ai entendu le premier appel du Miezin pour la loupe et on m'a ensuite ramené au niveau du conteneur. Et le lendemain, vers les 5 heures, on m'a pris, moi, on m'a envoyé dans une cellule
climatisé. Mais on m'a déshabillé avant d'introduire dans cette cellule où il y avait des présumés narcotrafiquants. Et c'est là que j'ai profité pour appeler l'actuel président de l'OGDAS, parce que j'avais appelé le président de l'OGDAS, Dr Tierno Madjusso. Je ne l'avais pas réussi à l'avoir. J'ai appelé le secrétaire général, en ce moment, c'était le secrétaire ou le vice-président chargé des conflits. L'actuel président de l'OGDAS, c'est en ce moment qu'il a envoyé, j'ai donné le nom, et il a la première déclaration venue de, comme on appelle, de la radio. C'est comme ça que ça s'est venu. Et colonel Thiebro pensait que, c'est-à-dire c'est de façon clandestine que nous étions là, et il avait, avec toutes les menaces possibles, non seulement en violation de tout ce qui est instrument de protection de la personne humaine, dans le respect de sa dignité, il nous a infligé ces douleurs-là, il nous a infligé ces tortures-là, avec toutes les menaces possibles, parce que vous savez, c'est clair, c'est universel. L'objectif recherché de la torture, c'est d'inculquer la peur et la terreur. Quand on m'a jeté dans ce conteneur noir, c'est que tout ce que je pensais que, en tant que musulman, j'allais périr et que je n'allais pas avoir droit au rite, si vous voulez, funérailles digne du nom. Parce que là, on nous avait jeté. Et il avait dit, hein, il l'a dit et il l'a répété, vous allez périr. Dans ça. Et il a juré. Je pense qu'il aurait eu encore une fois la grandeur de personnalité de dire, d'assumer, je l'ai fait, mais peut-être que ces erreurs, je le regrette. J'aurais compris la personne. Mais jusqu'à présent, voyez-vous, l'élan pris. C'est bon. Voilà. Merci bien. Alors, colonel Moussa Thiebro Camara. Monsieur le procureur, oui. Vous avez suivi Maître Baldé. Vous avez suivi M. Kali Diallo. Merci. Est-ce que c'est comme ça que les choses se sont passées? Merci. Merci, M. le Président. Merci, M. les assesseurs. M. le procureur, je tombe de nu. Vous savez, la grosse erreur ou la malchance que j'ai eue dans cette affaire est que beaucoup ont passé après moi. J'étais le dernier, presque le premier. Quand j'étais assis dans le box des accusés, quand j'appelle le cimetière, j'ai écouté beaucoup, beaucoup de fabulations. Ce monsieur, je ne le connais pas, ni d'Ève, ni de dame. C'est le seul jour. Cet autre, je ne l'ai même pas observé. Dieu est mon témoin. Je vais articuler mes propos sur trois points ou quatre. Le premier point, comment j'ai été informé qu'ils font ce qu'on appelle ici une grève de la faim. Le deuxième point, mon arrivée sur le terrain. Le troisième point, une fois au camp Samouri, au camp de Fayaya. Et le quatrième point, probablement, si vous donnez le temps, monsieur le président, et ça va m'arranger parce que je n'ai pas eu le temps d'en parler. Bon, soyez bref. Oui, je vais être bref. On leur a demandé d'être bref parce que c'est un point, s'il vous plaît. C'est un point très précis. Tout à fait. Donc, soyez bref. Je serai bref, M. le Président. Le quatrième point va s'articuler sur le témoignage. Et éventuellement, cette histoire de nomination de chef de quartier. Le premier point, j'étais en ville. N'oubliez pas que je suis logé depuis 2009. J'étais logé à Duxines. Je connais toute la population de Duxines. On coopère ensemble tout, baptême, mariage et tout. C'est dans ce contexte que le chef de quartier m'a appelé un soir vers les 17h. Le marché était encore plein. Ceux qui parlent de 19h, comme cet autre, et celui-ci parle de 0h. Première contradiction. Peu importe, on va y arriver. J'ai été appelé, je suis venu. J'étais à côté. Je suis venu, il y avait un pick-up qui était la ville, et j'avais j'avais ma voiture de commandement. Effectivement, j'ai trouvé le chef de quartier devant la maison de jeunes, comme il a indiqué. Il me dit, il y a des jeunes ici, ils ne sont même pas dans notre quartier, on n'était pas informé en tant que chef de quartier, et ils sont là depuis presque quelques heures maintenant, et ils réclament une grève de faim. Autorité à l'époque. Et c'est mon quartier. Je suis rentré,
comme je le savais déjà, le pain a été acheté, les sardines achetées, le chef de quartier et les femmes de quartier étaient là, autour de la chose. Le marché était encore plein, je le dis bien sûr. Je suis rentré et on a échangé, comme je l'ai toujours fait. Hein. Moi, je suis un spécialiste de négociation des crises et des conflits. Ça, ce n'est pas commencé aujourd'hui. Donc, je suis rentré, effectivement, quand il dit que c'est au camp, il a dit je suis tel. Non, c'est sur place, là-bas, devant le quartier, devant les conseillers du quartier, ils sont encore tous vivants, qu'on a ouvert le débat. J'ai demandé qu'est-ce qui ne va pas. On vient de quitter un problème le 28 septembre qui n'est pas fini. Et voilà encore un problème qui surgit. Qu'est-ce qui ne va pas? Il a raconté, comme c'est le faiseur du roi, il a raconté beaucoup de choses. C'est un DD, comme il a dit ici, c'est lui qui a fait le premier communiqué, c'est lui qui a fait la feuille de route du premier ministre. Il a raconté des choses. Moi, j'étais là, je l'écoutais. Qu'est-ce que vous voulez? Emploi jeune, marché construit, maison de jeunes construite, ainsi de suite. Il a enchaîné. C'était leur point de revendication. Alors, j'ai dit, on veut rencontrer l'autorité, il n'y a pas de problème. Manger d'abord. Tout ça, nous sommes dans la maison de jeunes. Hein. C'est ce qu'ils disent. Même si tu dis à un navlog en Guinée, il dit que ça ne ressemble pas au colonel Tchèbro dans tous les cas. Nous sommes dans la maison de jeunes. Je leur demande, manger d'abord. Parce que grève de la faim, ça peut créer d'autres choses. Je suis humain. Je connais ce qu'on appelle l'humanisme. Donc, ils ont refusé de manger. Quelques-uns ont pris. Là, ils étaient un nombre de, je ne sais pas, 3, 6 comme ça, ou je ne sais pas, 5. Quelques-uns ont pris. Mais lui, il n'a pas pris. Hein. Il a dit, bon, qu'est-ce que tu veux? Je veux rencontrer le chef. Le président a dit, j'ai des choses à lui dire. Il a dit, bon, d'accord, on va aller. Il est venu dans ma voiture au camp. Dieu nous voit. Tout ça va finir. Dans 100 ans, personne d'entre nous ici n'est sur terre. Qu'on le veuille ou pas. On sera à l'autre côté. Mon père le disait que si on n'a pas peur de Dieu parce qu'on ne le voit pas, il faut avoir honte de lui parce que lui nous voit. Ce monsieur est en train de raconter de la fabulation. Peu importe. Le président du tribunal sait avec ses agents, ils savent déjà où est la vérité. Ils sont partis au camp. Dans ma voiture, j'ai demandé à tous les journalistes dans ce pays, à chaque fois que je me déplace, même dans la rue, quand je vois quelqu'un qui est là, une femme ou bien comme ça, moi je l'ai toujours fait, même des militaires, quand je vois, je garde mon convoi, la place est vide, je te fais rentrer. J'ai fait toutes les missions, souvent avec les journalistes, dans ma voiture. Je les ai pris dans ma voiture de commandement. Demande le chef de quartier, il ne dira pas le contraire. Les femmes qui étaient là, elles vivent encore, je le souhaite d'ailleurs, demandez-les. Nous sommes partis au camp, mais par députation. Ils étaient au nombre de 4, je pense 3 ou 4, je ne sais pas. Nous sommes partis au camp. Arrivé au camp, je l'ai écouté. Nous sommes vers les 18h maintenant. Hein. C'était vers les 17h. Hein. Allez demander à chose, qu'on appelle là, au marché. Arrivé au camp, je les ai demandé. Lui et moi, sinon moi je n'entends pas que quand je suis PV, personne ne m'a vu. Demandez n'importe qui. Je les ai demandé, qu'est-ce qui ne va pas précisément? Le président d'Addis, est-ce qu'à l'heure là, parce que eux, c'est des nocturnes. Vers le soir déjà, ils sont au lit. Et nous, on travaille la journée. C'est ce qui était la différence. Il a demandé, il m'a encore déballé le motif. Il a dit, mais ça ne vaut pas la peine. Tu es jeune, tu es un cadre. Il m'a même expliqué comment il a fait le premier communiqué de CNDD. Et il a raconté ici, l'affaire de route du premier ministre, il m'a tout raconté. Il m'a raconté comment les gens, comment il fait avec les chefs, comment il est intellectuel, tout. J'ai compris tout. Il a dit, tout ça, c'est bon. L'affaire de fonction, c'est Dieu qui devait être nommé, mais il a refusé, mais il a sollicité l'anticorruption, il avait dit tout ça, tout un tas de tarala, mais je ne peux pas tout expliquer. Et tout ça, c'est bon, mon frère, mais il faut qu'on aille dans la paix. Le pays a besoin de paix et de stabilité pour qu'on aille avant, enfin, de l'avant. C'est ainsi, il faut que vous mangiez, vous avez fruit de manger aujourd'hui. Il dit oui, il était à mon bureau, hein. Lui, il n'est pas ailleurs, à mon bureau. Donc, après, on s'est compris. Il est là. Dieu est son témoin. Lui est mon témoin. Il est celui qui nous voit. On s'est compris. Je lui ai remis 5 millions de francs guinéens, ce monsieur-là. Toi, déjà, quand on regarde même ta déposition, on comprend que tu es un monsieur que nous appelons deux fois les toutologues. C'est-à-dire qui sait tout, qui sait faire tout et qui peut vraiment donner son point de vue à tout.
Ce monsieur, il quitte 5 millions, je le dis, entre Dieu et moi, et en me basant sur ma carrière, et mais tous mes serments que j'ai pris. Mon frère, Dieu est grand. D'abord, ce n'est pas un dossier du 28 septembre, c'est loin. Mais je l'ai accepté parce que, tellement qu'il a parlé ici, moi, mais j'ai dit aux avocats, mettez-lui dans, sur la liste là, les confrontations. Il a dit à la face du monde, il faut qu'on vienne dépeindre. Ce monsieur, c'est là-bas qu'on s'est quitté. C'est là-bas qu'on s'est quitté. Il a pris les 5 millions, pour moi, ils sont partis. Il était d'accord avec les propos que j'ai avancés. Il est parti. Est-ce que la nuit, il a été entendu sur PV? Je n'étais pas chargé des PV. Qui disent alors, c'est lui qui l'a entendu sur PV. Il est parti, on ne s'est plus revu. Ce autre, je ne l'ai pas vu. Parce que les 3 ou 4 personnes qui sont venues avec moi, qui étaient avec moi, avec un autre, et se voyaient. Donc, je ne peux pas connaître exactement c'était qui. Mais lui, je l'ai observé. Quand je vois sa figure, je comprends. Il ne s'agit pas ici de venir raconter la vie, ta vie sur les gens. Ce tribunal, on ne peut pas l'induire en erreur. Ce n'est pas possible. Il faut des preuves. Il dit, je viens sur les témoins, il dit qu'arrivé vers les erreurs, d'après lui, de sa déposition que j'ai prise, hein, vers les erreurs, si vous regardez un peu, allez sur YouTube, regardez sa déclaration, il avait dit ce jour, où c'est noté dans le primitif, que vers les erreurs, que M. Koutoubou Sano, le ministre à l'époque, secrétaire général, chargé des questions de religion, et M. Gabi, qui était ministre de la Santé, sont venus à mon bureau. Demandez à Koutoubou Sano, une première déclaration fausse. Demandez à Koutoubou Sano et M. Gabi, qui est d'ailleurs présent dans ce box-là, si un seul jour, de tout le temps que j'ai eu à faire aux affaires, au nouveau, à la tête de services spéciaux, s'ils ont mis pied chez moi, même pour venir me dire, simple visite de courtoisie, demandez-les. Ça ne s'est jamais fait. On parle de conteneur. C'est ridicule. Ce débat, je pense que c'est, comme les gens me disent, c'est acquis au débat. Moi, je pense que j'ai donné ma version par rapport à cette histoire de conteneur. Seul service qui avait un violon climatisé. Monsieur le procureur qui est au milieu là, je pense que lui, il comprend beaucoup de choses. Parce que quand mon service fonctionnait, les PV qui partaient chez eux, je pense qu'ils ont bien apprécié ces PV-là. Jamais un conteneur à mon service. J'ai conteneur chez moi, non. S'ils se sont trompés, ils sont allés ailleurs, après avoir pris les 5 millions et qu'ils sont rentrés dans le conteneur là-bas, je ne dis pas. À moins qu'ils apportent les preuves tangibles. Donc, cette histoire de conteneur-là, ça n'existe pas. Et j'avais le violon climatisé. Et ils ne sont pas rentrés au violon, malheureusement, parce qu'on s'est entretenu. Ils disent que Gabi, contradictoirement, hein, il y a un qui a dit que M. Gabi et M. Koutoubou sont venus le chercher à 0 h. L'autre dit que c'est à 0 h qu'on a commencé à résolutionner. Il y a même déjà, même la petite déclaration qu'ils ont faite ici, il y a une contradiction. Donc, à 0 h qu'ils ont venu le chercher. Et qu'ils ont à cause des violences qu'ils ont subies, morales ou corporelles, je ne sais quoi, parce que ce n'est pas moi qui les ai fait subir ça. Ils disent que M. Gabi et Koutoubou les ont envoyés d'abord à Donka. Heureusement. Donka est une essence médicale. Quand c'est comme ça, il doit y avoir des documents qui justifient cela. Et que de Donka, ils sont partis au resto. Heureusement. Mais malheureusement, je pense que ils ont été 2 fois. Parce qu'il y a un qui avait dit dans sa déposition, j'ai tout noté, hein, moi j'ai fait des brochures déjà. Il y a un qui avait dit dans sa déposition que de Donka, la nuit, ils sont partis au camp. Et que, arrivé, chemin faisant, Koutoubou aurait appelé M. Dadis. Est-ce que Dadis n'avait pas pris le téléphone et sans ce moment, ils ont été libérés? Il y a un autre qui dit, je pense que c'est le patron là, et non, c'est ce monsieur qui a dit, M. Mamadou, Kali Diallo, qui dit, quelque part, dans sa déposition, devant ce tribunal criminel, que c'est du matin de 0 h au lendemain matin qu'il a été libéré. Ça y est dit, j'ai noté, et c'est allez sur YouTube, vous allez trouver. Que c'est du matin
à 0h, c'est à 0h que les gens sont partis. Hein. Nous, on les a arrêtés à 0h d'après lui. Et que c'est le lendemain qu'il a été libéré. Grave. Lui dit, c'est vers les 17h. Certainement, c'était deux équipes. Les deux maisons centrales. Les maisons de jeunes. Lui dit que c'est vers les 17h, vers les 19h. D'après lui, il est tout noté. Hein. Donc, il y a contradiction d'abord à ce niveau-là. Peu importe la contradiction. Quoi qu'il arrive, ils étaient dans l'équipe, dans la même équipe, d'après leur version, malgré qu'elle soit contradictoire. Donc, monsieur le président, il faut qu'on soit un peu logique dans tout ce qu'on fait. C'est important. Ce monsieur, je le connais depuis lors, je ne l'ai plus jamais revu. J'étais là, 14 ans, jour pour jour. Je travaillais. 14 ans, jour pour jour. Je me frottais avec les Guinéens, dans les baptêmes, dans les mariages, dans les services. Ce monsieur, je ne l'ai plus rencontré. Mais quand j'attends ces versions, quand il était là, là-bas, ici, j'étais assis dans ce box-là. Je ne sais pas, ce box-là, c'est une prison, hein, c'est une prison déplacée ici. Tu n'as aucun droit. Même si tu lèves la main, le président, il ne va même pas t'écouter. Parce que c'est pas possible. Jamais levé la main là-bas. Non, non, mais vous avez... en ce moment, ce n'était pas possible. Donc, s'il vous plaît. Ouais. Personne n'a levé la main là-bas et qu'on ne l'appelle. Et qu'on ne lui demande, voilà, qu'est-ce qui se passe. De toute façon, vous avez des conseils ici, si vous pouvez faire passer des messages. Vous ne pouvez pas dire que même si tu lèves la main, on ne peut pas te voir. Ce n'est pas possible. Merci, monsieur le président. On voilà, vos conseils ont toujours fait passer ici vos messages. Merci, monsieur le président. Voilà. Merci pour la précision. Voilà. On ne le savait pas, certainement, parce que nous, nous sommes dans un box là-bas. On vous a toujours dit vos droits ici, monsieur Camara. D'accord. On n'a même pas fini ce procès. Hein, vous ne pouvez pas commencer à ressortir les petits trucs, alors que vos droits vous ont toujours été dit ici. Je reconnais. Quand vous me dites on ne le savait pas, non, c'est comme si vous aviez fait, ça n'a pas été fait par le tribunal et que vous dites aujourd'hui on ne le savait pas. Je veux, monsieur le président, Donc restez dans ce domaine-là. D'accord. Je suis d'accord avec vous. Dans ce box-là, voilà. Ne sachant pas qu'on pouvait interrompre une victime ou bien supposée victime en train de choisir. Monsieur Camara. J'étais obligé. Monsieur Camara. Oui. Quand vous parliez ici, est-ce que quelqu'un vous a interrompu? Quand vous étiez en train de parler, est-ce que quelqu'un vous a interrompu? Non. Est-ce que vous pouvez aussi interrompre quelqu'un quand il est en train de parler? Pas du tout. Voilà. Donc la logique est là. La logique est là. Je suis pour la logique. Voilà. Donc ça, ce n'est pas un argument. Vous avez maintenant le temps pour vous défendre. Oui, allez-y, laissez ça. Au box alors, je reviens sur nos moutons. Le box, je l'ai vu parler beaucoup de choses ici. Beaucoup, beaucoup. Le faiseur de roi, c'est lui qui a fait ceci. Ce n'est pas important. Ce qui me concerne, voilà comment les choses sont passées. Voilà comment les choses sont passées. Et mieux que ça, ce monsieur, franchement, c'est ici, à cette barre, que je l'ai vu. Ce tot, je l'ai vu parce qu'il y a eu échange entre nous, verbalement. Et mieux que ça, je l'ai remis de l'argent. Il peut nier. Peu importe. C'est bon. Dieu nous voit. C'est bon maintenant parce que vous revenez sur les mêmes choses. Pour finir, le chef de quartier, monsieur le président. Allez-y. Le chef de quartier. Il affirme ici que c'est moi qui aurais nommé ce chef de quartier. Qu'il apporte les preuves administratives. Un chef de quartier ne se nomme pas comme ça. Pour la petite histoire, un jour, vous aviez, à l'époque là, la lutte contre le grand banditisme là, on avait appelé tous les chefs de quartier. Le cadet étant venu, on leur a dit, cette histoire-là, on est vraiment débordé avec la criminalité transfrontalière et même transnationale. Donc, je veux dire transnationale. Donc, il faut que tout le monde s'y implique. Il n'y a pas un chef de quartier. Moi-même, mon propre numéro était un numéro vert. Le 622-39-39-39. Les journalistes qui m'écoutent là peuvent l'avouer. Pour être vraiment proche des citoyens, pour que nous réagissions rapidement en cas de besoin. Donc, le chef de quartier étant venu, on a dit qu'il y avait un programme de nettoyage. Et le quartier d'Uxine, je ne sais pas ce qui s'est passé, les jeunes se sont manifestés, ils ont fait une manifestation contre le chef de quartier qui était un vieux, qui avait presque 90 ans ou 80 ans maintenant. Nous sommes venus là-bas avec le gouvernorat, avec le maire d'Uxine, et le jeune était là.
C'est le gouvernorat même qui a nommé ce jeune. Sur instruction ou ça demande les jeunes de quartier de Dixit. Est-ce que vous voyez? Et quand demande a été faite, vous avez des gens ont applaudi qu'il faut que ce soit lui. Moi, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est vraiment les journalistes qui étaient là et encore dans la chose, dans les archives audiovisuelles. Donc, c'est comme ça, le chef de quartier a été nommé. Le gouvernorat était là et tout le monde était là. C'est bon. Donc, je reviens, monsieur le président, sur un seul point maintenant. Le jeune étant nommé, pas de rapport entre nous. Et moi, je pense que les preuves là aussi sont disponibles. Ils peuvent l'apporter ici, c'est Thiébro qui a signé ou bien qui a annoncé, qui est nommé. On va au camp. Je finis par vous dire que ces deux éléments m'ont raconté sur moi et sur ma personne, sur mon service, que de la fabulation. Quand il dit on est sorti la nuit, on nous a torturés. Demandez un Guinéen de Conakry à l'intérieur du pays. Si un seul jour, quelle que soit l'infraction commise, si mon service, quelqu'un a pu, c'est-à-dire, même insulter quelqu'un qui est là, une mise à cause ou bien quelqu'un qui est accusé d'un fait, quel que soit le niveau des faits. Je suis rentré dans le truc là, lui dit qu'il était quelque part avec des étrangers, et l'autre l'a dit qu'il était dans un conteneur. Les deux ne me tiennent pas dans le c'est même bon, local, s'il vous plaît, c'est bon. Donc, maintenant. Oui, monsieur le président, les deux ne tiennent pas dans le même parce local. Que vous répétez maintenant la je même vous dis simplement, et purement et simplement. C'est bon, monsieur Camara. Fabulation pure. Voilà, monsieur le président, à partir de ces explications, nous avons quelques oui, questions. Oui, vous voulez, s'il vous plaît, vous voulez dire quelque chose dessus. Oui. Je vois oui. Des mains qui se lèvent avant que vous ne continuiez avec une autre question. Voilà, je voulais finir avec lui, avec votre permission. C'est le même sujet. Oui, des précisions par rapport à ce qu'il a dit. Si vous permettez, monsieur le président, j'aurais voulu apporter quelques précisions, si vous me permettez. Voilà, attendez, monsieur le procureur. D'accord, allez-y. D'abord, monsieur le président, il vient d'affirmer devant vous ici qu'il m'a donné 5 millions à son bureau. Ce que j'aurais souhaité, colonel Abdoulaye Diaby est ici. C'est lui et professeur Koutou Boussano qui sont venus le lendemain matin nous fait libérer et nous envoyer à l'hôpital. Donc, et au-delà, notre arrestation a fait l'objet d'un couvrage médiatique énorme. À ce jour, vous allez sur YouTube ou Internet, tout est relaté, ça existe. Ça, ce ne sont pas mes paroles. Et on était une dizaine, ce n'est pas surtout ma parole. Tout ce qui s'est passé, au-delà de ce que moi j'ai dit, les autres sont là. Et j'aurais attendu que le colonel Thiébro ait le courage au moins de dire la vérité. C'est bon. S'il vous plaît. Monsieur le Président, moi je le renvoie ou alors je rappelle au tribunal mon passage le 3 décembre. Ce que colonel Thiébro dit, et je ne retiens pas que le passage du 3 décembre, depuis mes sorties médiatiques, au sortir de ces tortures-là, j'ai dit et je maintiens, c'est aux environs des erreurs que vous nous avez allévé. À la maison des jeunes de Dixine. Alors, je prie au bon Dieu que Dieu sauve la Guinée. Parce que quand colonel Thiébro dit que c'est à la maison des jeunes ce qu'il est en train de dire là, honnêtement, je dis que Dieu sauve la Guinée. Parce que pour moi, quand on a peut-être la chance ou le privilège atteindre un certain niveau des sphères de l'État, il y a de ces choses qu'on ne doit pas se permettre. Mais je comprends la logique. Hein. Vous nous avez infligé des cas de torture et vous savez les conséquences. Il y a toute une convention internationale. Hein. Voilà. Maintenant, je veux dire que moi, je n'ai pas dit que professeur Koutou Boussano est parti au camp depuis ma première déclaration. Colonel Koutou Boussano est venu nous trouver à l'urgence de Donka. La première personne qui est venue, parce qu'à l'urgence de Donka aussi, on nous a sorti au cas là-bas parce qu'il y a eu un battage médiatique. Il y a eu de communiqués radio, Amnesty International, il y a eu le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, beaucoup de déclarations. Le gouvernement français qui avait même suspendu un pont qui était en construction, le pont du 8 novembre. Vous pouvez vérifier, c'était une déclaration officielle du gouvernement français. On nous a sorti. On nous a envoyé à l'urgence de nous. Et on était obligé de regarder le soleil. Obligé de regarder le soleil. Mais je précise en ce moment, il n'était pas là. Mais c'est lui qui a donné l'ordre.
De surcroît, je l'ai rappelé, il y a même un de nos amis qui voulait se mettre à l'aise. L'officier dit, tu es en grève, non? Tous les organes doivent être en grève de faim. Je l'ai rappelé, je n'ai pas perdu conscience. Malgré les coups, le degré de douleur que vous nous aviez infligé. Maintenant, colonel Jacques Touré, paix à son âme. En ce moment, il était le conseiller du Premier ministre en charge des questions de sécurité. C'est lui qui est venu. Il a réussi difficilement à obtenir difficilement des agents de colonel Tcheboro de permettre que nous venions nous asseoir. On est venu. Maintenant, Koutoubou Sano est venu. Quand le professeur Koutoubou Sano est venu, il a chassé les éléments de colonel Tcheboro qui étaient là. Et puis, en ce moment-là, encore une fois, je réitère que moi, je n'ai pas remarqué la présence marquée de colonel Diaby. Mais on nous a fait administrer quelques soins et le professeur Koutoubou Sano nous a pris. On nous a envoyé au niveau du pont 8 novembre, côté droit en ce moment. Au pied du pont, il y avait un restaurant. C'est bon. Voilà. Donc je précise ces éléments, à mon avis, qui sont importants. C'est très grave. Monsieur le Président, c'est très grave. D'abord, les deux ne sont pas concertés avant de venir. Ça, c'est clair. Il y a une contradiction forte. Monsieur le Président, je commence par Jacques Touré. Colonel Jacques Touré, qui était mon chef d'état-major à l'époque, c'est-à-dire avant l'époque. Jacques Touré, le moment dont il parle, à octobre, comme ils ont dit dans leur déclaration, 2009, Jacques Touré déjà était à la retraite. Et Jacques Touré, nulle part, n'a été nommé chargé de questions de défense et sécurité à la primature. Allez voir les archives. Mais pourquoi les gens aiment créer des problèmes? Il dit tout celui-là qui n'a pas observé Diaby. L'autre l'a dit, j'ai vu Diaby. Il dit que Koutoubou Sano les a trouvés simplement à Donka, à l'hôpital. Il dit encore que Koutoubou Sano l'a trouvé encore là-bas avec Jacques Touré. Il dit que Jacques Touré était venu nous voir pour nous demander. Et c'est lui-même qui a dit encore que les sages même de la forêt étaient venus nous demander. Contrairement à ce monsieur, il dit qu'ils sont venus le lendemain, ils ont été libérés, ils ont été mis à disposition de Koutoubou Sano et l'autre là, ou Donka, le lendemain. Et on parle de Nations Unies. Entre 0h pour l'un et 18h ou 19h pour l'autre. De 19h à 0h au matin, les Nations Unies peuvent se mettre en branle contre un pays. La France peut se mettre en branle contre un pays. L'Union Européenne, c'est lui qui a dit, hein, j'ai tout noté. L'Union Européenne peut se mettre en branle contre un pays. Ils sont vraiment importants. Hein. Ils sont vraiment importants. Moi, je vous dis que c'est de la fabulation. Et c'est bon. C'est grave. C'est bon. Et ce qui est grave, c'est la mythomanie. C'est bon, s'il vous plaît. Sauf que, monsieur le président, sauf que les communiqués existent. Et on vous a montré les communiqués ici. Les communiqués de ces voilà. De toute façon, le tribunal appréciera tout ça. D'accord. Voilà. Ministère public, allez-y. Merci, monsieur le président. Colonel Tcheboro, vous étiez arrivé à la maison des jeunes à quelle heure? Moi, je vous dis que j'ai été appelé. Et c'est vers les 17h. C'est vers les 17h, le marché était encore plein. Vous êtes arrivé à 17h. À 17h. Vous avez quitté à quelle heure? La maison non, des on jeunes. Non, continuez, parce que. Oui, monsieur le procureur, oui, continuez. Oui. Vous êtes arrivé à 17h. Oui. Vous avez quitté à quelle heure pour aller au camp? Non. Le même, quand je suis arrivé, quand les gens, d'abord, après avoir négocié. Vous n'avez pas duré donc? Ils n'ont pas duré. Lui, il tenait à avoir l'autorité. Il était obligé de lui dire bon, faites-moi une députation. Bien. Et ils étaient au nombre de combien à être... que ceux qui étaient là-bas, là, il n'y avait même pas de matelas quand ils parlent là. Vous avez bien aménagé alors. Une maison de jeunes cherche quoi avec les matelas. Donc, il n'y avait pas de matelas. Et ils étaient au nombre de 5-6 comme ça. En tout cas, ce n'est pas une dizaine, comme je le dis. 6. Oui. Et donc, lui, quelqu'un a dit 7, hein, lui il a dit 10. D'accord. Ces 5 à 6 personnes ouais. ont été effectivement envoyées à votre service. Une députation. J'ai demandé, comme il veut voir le président, faites-moi une députation. Oui, est-ce je suis parti avec lui, le patron. Écoutez, c'est juste des précisions que non, nous voulons maintenant. Une députation. Est-ce que... 3-4. Ils ont été au nombre de combien à être à votre 3, service 3-4, je n'ai pas encore une idée précise sur le nombre, mais c'était 3-4 personnes. Mais l'essentiel pour lui, bien. Il était dans ma voiture. Et lui, il a quitté votre bureau à quelle heure? Moi, quand ils sont partis, aller au camp, arriver au camp, il est monté directement à mon bureau. Il a quitté à quelle heure? Il a quitté à quelle heure votre bureau? Bon, vers les 18h, 19h, parce qu'on n'a pas duré. Parce qu'il a posé le plan de tourner autour de quoi? 18h, 19h. Oui. Vous avez continué à rester
Moi? Oui, à votre, dans votre bureau. Oui. Ah si, je suis resté, mais je suis ressorti après. Et quand... Parce qu'au moment des faits, écoutez, monsieur le procureur, une précision. Ça prend l'heure d'un interrogatoire. Au moment des faits, si vous pouvez aller pas à pas, allez-y. Une commission internationale était là, où des questions des précurseurs de drogues synthétiques que nous avons découvert ici, dans les d'autres autres là, tout ce, parce que tous les procureurs de l'autre côté là le savent. Ils étaient là. Ces gens-là ont fait plus que jusqu'en novembre, on était avec ces missions-là qui venaient, qui sortaient. On n'avait pas le temps. Et ils venaient à mon bureau, ces blancs-là, ces experts internationaux, ils venaient à mon bureau. Les blaises là, tout le monde le sait. Et vous voyez. Donc, moi, je n'étais pas tranquille au bureau. Mais quand on s'est quitté, après avoir remis les 5 millions, il est parti. Et le problème était, pour moi, le problème, il est clos. Et vous voyez. A dit que d'autres est venu, Koutoubou Sano n'est pas encore mort. C'est bon, c'est bon, s'il vous plaît. Et quand il a quitté, les autres ont continué à rester? Non. Oui, qui? Les autres. Quel autre? Ceux avec lesquels il était venu. Ils sont tous partis. Parce que les autres ils sont tous partis. Les autres ne sont pas rentrés dans mon bureau. C'est lui qui est rentré dans mon bureau. Il y avait un salon, ils étaient tous assis là-bas. Et vous voyez. Et j'ai dit, je me le peux venir le truc ici, ou bien même les blaises là, certainement, ici se rappellent. Quand j'ai dit, mon ami, c'est fini. Je suis venu jusqu'à dehors. Il avait l'imperméable à main, les 5 millions avec lui. Et vous voulez nous dire qu'aux environs de 19h, ils ont tous quitté votre service? Tout était fini. Bien. Chez et moi. À quelle fin vous lui avez remis l'argent? Pourquoi vous l'avez Monsieur remis Monsieur le procureur, ça prend l'air d'un interrogatoire. Oui, il peut répondre. D'accord. Nous voulons poser la même question aux autres. Bon, allez-y avec les questions que vous avez déjà posées à monsieur Moussa Kiegoura. Monsieur Maître Kiero Suleiman, oui. Vous avez quitté là-bas à quelle heure? J'aimerais dire devant vous ici, et je sais qu'il y a les caméras devant moi. Tout le monde entier nous regarde. Je n'ai même pas besoin de donner le poste, parce qu'il y a des médias, il y a la déclaration d'Amnesty International, de Human Rights Watch, la Fédération internationale des droits de l'homme, qui date de l'époque. Il vous suffit juste d'aller sur Internet, mettre grève la fin, FAGEC, et vous aurez toutes les informations. Tout est relaté au-delà de ma parole, et ça se passait à l'instant T à l'époque. Vous avez quitté à quelle heure? Non, ce qu'il raconte là, c'est des histoires. C'est le lendemain matin, professeur Koutoubou Sano, il est là, il est vivant. Même colonel Diaby, il est là. Abdoulaye Serif Diaby, il est là. C'est le matin à 8h, je ne sais pas exactement à quelle heure, devant son bureau, devant ses escaliers, on nous a fait sortir du conteneur. Professeur Koutoubou Sano, c'est là où il est venu, il dit que c'est capitaine Dadis Camara qui l'a envoyé. Capitaine Dadis Camara est là. Et au-delà, moi, je n'ai jamais sollicité à rencontrer quiconque. J'avais accès depuis toujours à tout le monde si j'en voulais. Et la déclaration que nous avons faite, on a envoyé ça au niveau du chef d'état-major de l'armée à l'époque. La présidence, toutes les organisations de droits de l'homme et y compris les différentes ambassades. Je n'ai pas besoin de la publicité. Non. Et quand il dit ici, que je suis, même au niveau de la déclaration que je lui ai raconté, que j'ai révisé la déclaration, il y a encore tous les officiers de l'armée, tout ça. Je n'ai jamais raconté cette histoire à quiconque. Quand il dit ça, c'est des histoires. Je ne l'ai jamais fait. Et au-delà de ce que vous racontez, moi, ma crédibilité, tout le monde le sait, hein, ouais. Quand vous dites que vous m'avez donné 5 millions. Alors que lorsque j'étais au niveau de CNDD, tous les membres sont là. Même le ticket de carburant, je n'ai jamais accepté. C'est bon. Le lendemain, donc, à 8h, hein, on peut retenir bon, ça. Bon, à peu près, parce que je n'avais pas de montre bien. Sur moi. Monsieur, mais je sais que c'est le lendemain matin. Monsieur Kali, oui. Vous avez quitté là-bas à quelle heure? Alors, monsieur le procureur, je voudrais que vous compreniez que le traumatisme, je crois que Maître même avait perdu un peu l'heure, hein, honnêtement. Le lendemain, d'abord la matinée, le colonel Thiébouro sont revenus. Kadiatou, qui est une jeune sœur qui était membre, a été prise en otage par ses services. Ahamdallah, le vice-président de la FAGEC, M. Mané, on est parti le chercher. Ils ont couru tout le quartier de CBG là-bas, on l'a même surnommé Usain Bolt. Bamba, qui avait un télécentre tout près de l'escadron, au niveau du garage, au niveau du gros magasin Okoya, on l'a pris, on l'a ramené, il nous a trouvé. On a quitté aux environs de 11h. Il y avait un battage médiatique, il a compris que... Le lendemain.
Le lendemain, le 29, le, comment on appelle, le 30, non, le 29, parce que c'est le 28 jour pour jour qu'on a décidé, avait décidé d'observer cette grève de la faim pour arrêter les exactions qui continuaient et pour appeler tous les acteurs à se mettre autour de la table pour essayer de dialoguer, pour sortir de la crise. Donc, un mois, jour pour jour, après les événements du 28 septembre. Donc, c'est le lendemain, aux environs de 11 heures. Et je vous ai dit, les menaces qu'il avait proférées la nuit, le lendemain, tous les membres de la fédération, parce qu'on avait fait la grève de la faim au nom de la Fédération des associations des jeunes de Guinée, il est parti à les rechercher. Bamba nous a trouvé, ils ont pris Bamba aux environs de 8h, 9h, à son télécentre à la CBG, tout près du gros magasin, là où on vend le magasin Okoya là-bas. Il avait son télécentre. On l'a envoyé là-bas. Voyez-vous, c'est aux environs de 11h, maintenant, soi-disant qu'on va venir nous faire observer au niveau des services de santé pour nous adresser des soins de santé qu'ils nous ont sortis du camp pour venir au niveau de l'hôpital de Donka. Mais je précise en ce moment, lui, il n'était pas là. C'est toujours les deux pick-up avec lesquels il était venu la nuit qui nous ont ramenés au niveau de CHU Donka. Bien. Colonel Camara, pourquoi vous les aviez conduits à votre service? Pour quelles raisons? Quoi? Je n'ai pas compris. Pourquoi vous les aviez conduits à votre service? À mon service, mais j'ai commencé par ça. J'ai dit que lorsqu'on a engagé les négociations et qu'il n'y avait pas de compréhension, vu l'afflux des gens qui venaient, les femmes autour là, lui demandait à ce qu'il parte voir Dadis. J'ai dit, demandé, de lui dire, écoutez, faites-moi une députation. Je l'ai dit tantôt. Je l'ai dit tantôt, faites-moi une députation. Et arrivé, dans la voiture, lui et moi, on discutait même. On discutait. Et puis nous sommes descendus automatiquement. Répondez à la question. Pourquoi vous les aviez conduits à votre service? Pourquoi? Est-ce que c'était le lieu approprié? Oui, bien sûr. Mais bien sûr, quand quelqu'un veut négocier, il veut voir Dadis. C'est lui qui le dit. Il ne veut pas parler là-bas, il ne veut pas manger. Les autres ont pris le pain. Et lui dit qu'il faut qu'il voie obligatoirement Dadis. Il a des messages à passer. Je l'ai mis dans ma voiture. Est-ce qu'ils avaient rencontré le président Dadis? Non, arrivé. D'abord, ça, déjà, on s'est compris. On est parti, on est descendu directement chez moi, dans mon bureau. D'accord. Et maintenant, les négociations ont commencé et on s'est compris. Maintenant, pourquoi alors les 5 millions? Pourquoi? Oui, mais c'est ce que je vous dis. Après, dans le déballage, et c'est verbal de sa déclaration, dans nos échanges, j'ai compris, il a dit qu'ils ont dépensé. Dieu est mon témoin, comme il est tout de suite là. Il a dépensé. Dieu est son témoin aussi, parce qu'il en était deux. Donc, ça faisait 4 millions et quelque comme ça, j'ai donné 5 millions plus le transport retour. Ça, c'est le transport retour, y compris le transport retour. Il ne peut pas nier. S'il n'a pas donné quelque chose à ses amis, ce n'est pas le moment de nier. C'est bien. Plus vraiment 5 millions de francs guinéens. Bien, monsieur Baldé. Non, il n'est pas fini. Non, nous avons eu déjà ce que nous voulons. S'il vous plaît, c'est bon. Ah, mais quelque chose est important. Plutôt. Monsieur Baldé, est-ce que vous lui avez dit que vous voulez rencontrer le président Dadis? Je ne l'ai jamais dit. Je n'en avais pas besoin. Non. Est-ce que alors il vous a remis 5 millions? Je suis désolé, monsieur le procureur. Quelqu'un qui nous a torturé toute la nuit, quand il dit qu'il nous a donné 5 millions, ça me fait juste sourire. Bien. Monsieur Diallo. Monsieur le procureur. Est-ce que vous lui avez dit que vous voulez rencontrer le président Dadis? Non, moi je n'ai jamais pensé à rencontrer le capitaine Dadis en ce moment. Encore une fois, nous étions préoccupés par l'arrêt de ces exactions. Nous avons observé cette grève de la faim dans ce sens-là. Alors, est-ce qu'on vous a dit alors pourquoi on vous a conduit au sein du camp Alpha Yaya? Non, je vous ai dit, monsieur le procureur, vous le savez, d'abord, la question de la torture définie universellement, c'est pour nous torturer. D'abord, venir nous torturer, d'abord, c'est infliger la douleur, qu'elle soit physique, morale, psychologique, avec un homme qui agit au nom de l'autorité de l'État. Voyez-vous, il nous a, c'est en humiliant, dans le cadre d'inculquer la peur, l'humiliation. Il l'a fait sur le lieu en nous arrêtant avec toute la violence. Et c'est que, vous savez, ce qu'on observe de loin, le tribunal, cette question d'impartialité et beaucoup de responsabilité pour la question de paix et de cohésion sociale. Sinon, les propos, les injures que colonel Tcheboro avait proféré à l'endroit de nous et notre communauté. Je n'ai jamais voulu le dire, mais il le sait.
le leader politique dont il a avant qu'il ne chasse, qu'il y avait toutes les communautés représentées, il sait ce qu'il a dit. Mais ce n'est pas le moment. Je presse la non-violence. Voyez-vous, il le sait. Donc, il nous a infligé des tortures physiques, morales, psychologiques, avant de nous envoyer au camp. Et au camp aussi, c'est pour nous torturer. Encore une fois, avec de menaces. J'aimerais que vous vous rappeliez, colonel Tcheboro, en ce moment. Ce n'est pas la personne ordinaire qui veut se soustraire de ce tribunal-là aujourd'hui. Hein. En ce moment, avec le pouvoir, encore une fois, ce n'était pas la force. La force n'était pas donnée à la loi. Hein. Ce n'est pas l'argument-là. Non, colonel Tcheboro, pourquoi alors, le chef de quartier, quand il l'a appelé, parce qu'il vous a dit avec tout l'armada juridique et ainsi de suite, pourquoi il n'a pas dit, donc, va au commissariat le plus proche, formulez une plainte, allez au commissariat le plus proche, prenez-les et mettez-les à la disposition de la justice, parce qu'ils font quoi que ce soit qui viole la loi. Il n'a pas dit. Donc, c'est encore une fois, c'est pour nous infliger ces tortures-là, et il l'a fait. Et jusqu'à présent, c'est nous bon. Avons ces séquelles. Monsieur le Président. Oui, ouais, je tombe de nuit toujours. Monsieur le Président, je reviens d'abord sur cette histoire de torture qui n'existe pas. Ça, c'est un. Lui dit, il est rentré le matin, il est sorti du 9h, 8h du matin, mis à la disposition de Diaby qui est encore vivant, Koutoubou Sano, ce qui est faux. L'autre dit, non, lendemain à 16h, il a dit, à sa disposition ici. C'est sur YouTube. Et je l'ai noté. À 16h, le lendemain à 16h, que les sages de la forêt étaient venus nous voir pour la question. Et il dit encore aujourd'hui, c'est à 11h qu'ils ont été mis en liberté. On met les gens à la disposition des cadres comme les Koutoubou. En même temps, on fait sortir d'autres personnes pour rechercher leurs complices. Quelle contradiction. Un autre problème. Il faut que les gens là soient vraiment des bons Guinéens. Quand il dit que moi j'ai proféré des menaces contre une région ou bien un groupe donné, moi je connais rien. Je suis vraiment pacifique. Jamais je l'ai proféré. Et puis quand vous regardez un peu ce qu'il a dit, il dit qu'il a été d'abord torturé, si on a bien compris, il a été d'abord torturé à la maison centrale, à la maison de jeunes, avant de partir au camp. Sa dernière version. Il faut qu'il soit un peu cohérent, c'est important. Nous sommes là. Le monde nous regarde. Appréciera tout ça, c'est bon. Oui, le monde nous regarde. Merci, le patriarche. C'est bon, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'aimerais juste dire, au-delà de nous, dans la salle qui était à côté de moi, il y avait une personne aussi qui était torturée parce que la personne criait. C'est bon. C'était pas juste nous. Voilà. S'il vous plaît. Le faiseur du roi. Calmez-vous, hein, Monsieur okay. Camara. Vous savez, personne ne vous attaque. Pourquoi vous ne pouvez pas vous calmer? Pourquoi vous vous énervez? Pourquoi vous lancez des trucs comme ça? Pourquoi vous le faites? Parti civil. Défense. Merci, Monsieur le Président. Honorable membre du tribunal. Et Maître Baldé, vous avez dit dans votre procès verbal de déclaration affirmative du 20 septembre 2022 ce qui suit. Le lendemain matin, c'est-à-dire le lendemain du 28 septembre. Le lendemain matin, on nous a fait sortir du conteneur et regrouper devant les escaliers, à nouveau, les habits déchirés, des blessures et surtout la peur dans le ventre. Nous avons reçu la visite de M. Koutoubou Sano et de colonel Abdoulaye Chérif Diaby, ministre de la Santé à l'époque. Vous le confirmez? Oui. Monsieur Diallo, qu'est-ce que vous en dites? Il dit le lendemain matin. Qu'est-ce que vous en dites? Reprenez votre question. Le lendemain matin, on vous a fait sortir des conteneurs. Et le colonel Abdoulaye Chérif Diaby, ici présent, est venu avec M. Koutoubou Sano.
le lendemain matin. Qu'en dites-vous? Je dis et je répète, moi je dis au niveau du département antidrogue, je n'ai pas remarqué la présence de M. Koutoubou, c'est clair. Voilà. Et ça, depuis lors, hein, je l'ai toujours dit. Ouais. Moi je dis, professeur Koutoubou Sano est venu au CHU de Donka. Et je maintiens, vous pouvez revoir toutes mes interventions. Voilà, maintenant, je précise encore que nous n'étions pas dans les mêmes pick-up. Ni pendant qu'on nous allait notre enlèvement, d'accord, de la maison de jeunes jusqu'au camp Alfaya, département antidrogue, d'alors, on n'était pas dans le même véhicule. Il y avait deux pick-up, il est venu avec deux pick-up. Donc, en nous enlevant aussi du camp Alfaya pour nous amener au niveau de. Je n'étais pas dans le même véhicule, dans le même pick-up que Maître Tierno Suleiman. Voilà. Bien entendu qu'on était piétinés à l'intérieur même, vous ne pouvez observer rien. Vous confirmez que c'était le matin? Non. Encore une fois, je viens de le dire. Observez bien ce que je dis. Hein. J'ai dit aux environs de 11h, parce qu'il y a eu beaucoup de battages médiatiques, et il y a les institutions nationales, certaines institutions et ONG internationales qui avaient fait des déclarations. Et c'est sous ce prétexte-là, parce qu'il y a une pression énorme à l'extérieur, ils sont venus nous dire, bon, on vous envoie pour des soins de santé. Mon colonel, qu'est-ce que vous en pensez le lendemain matin? Le lendemain matin, je ne peux pas dire un seul mot là-dessus, parce que lui et moi, quand on s'est quitté à 19h, il n'est plus revu. Et quand il n'a pas pris témoin des cadavres ou les gens qui sont décédés depuis longtemps, Koutoubou Sano vit, M. Diaby encore vit, c'est mieux de le faire venir et demander des précisions. Et mieux que ça, les deux sont diamétralement opposés. Les deux là, diamétralement opposés. Et mieux que tout ça, ce n'est pas mon identité. Mais heureusement, ou malheureusement pour moi, c'est le service qui m'a été donné à diriger, qui m'a mis dans tout ça. Si c'est je suis bon. Dans cette barre, franchement, c'est à ce niveau-là. Sinon... C'est bon, vous avez répondu à la question. Okay, je ne sais pas si le tribunal peut accepter que le colonel Abdallah Chérif Diaby vienne... par rapport à ce point-là, ce point, parce que toutes les parties, les protagonistes... Est-ce que vous avez fini avec les questions pour les trois, là, d'abord? Non, c'est sur ce point-là. Sur ce point, parce qu'il y a une contradiction sur ce point. Le colonel est là. S'il vous plaît. Est-ce que vous avez fini avec les questions pour les trois, d'abord? Je n'ai pas encore fini, Monsieur le Président. Allez-y. Et sur le même point, Monsieur Diallo... C'est consigné dans votre déclaration, hein? C'est versé au dossier. Votre déclaration datée du 1er octobre 2023. Contrairement à ce que vous venez de soutenir, vous avez écrit ceci à la page 2, sixième paragraphe. C'est ainsi vers 15h, le jeudi 29 octobre, sur ordre de colonel Tchebro, nous fûmes conduits au CHU de Donka, où nous étions exposés au soleil. Les gendarmes de Tchebro nous obligeaient de regarder le soleil à 15h. Qu'en dites-vous? Il n'y a pas de contradiction, maître. D'abord, peut-être que, puisque vous m'obligez à le dire, tout ce que nous avions comme objet précieux, il avait pris avec ses éléments, là où nous avait trouvé. On n'avait pas de montre. J'ai dit verre là-bas, et je maintiens ces verres. Donc, je n'avais pas notion, c'est-à-dire, je divers, ce n'est pas précis. Et je ne vois pas une contradiction, parce que le contenu de ce que j'ai dit est le même. N'est-ce pas? Et même la télé avec laquelle nous avions passé toute la journée à regarder le film Mahatma Gandhi sur la non-violence, ils avaient tout pris, montre, téléphone, tout. Donc, je dis bien l'heure, je n'ai pas dit une heure précise. On était, encore une fois, on nous a pris, on nous a mis dans un conteneur noir comme ça. Vous n'avez pas de montre, vous n'entendez rien, vous ne voyez rien comme. Et en nous embarquant aussi, on vous met à l'intérieur des pick-up, on met les pieds comme si ce n'est. C'est-à-dire, il n'y avait aucune question de respect de dignité humaine. C'est-à-dire, je suis abasourdi quand je vois le colonel parler comme ça, honnêtement. Ce tribunal a besoin d'être éclairé. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Est-ce que vous avez ordonné le lendemain matin, comme il a dit, le lendemain. De les conduire au CHU de Donka. Bon, je vous ai dit que tout ce qui est le lendemain ne me concerne pas. Pour moi, ils n'ont pas passé la nuit à mon service. Mais maître, j'ai juste une précision pour le tribunal. C'est monsieur
me jette des propos qui ne m'énervent pas, hein, mais qui ne me surprennent pas. Dans un pays aussi pauvre, quand tu luttes contre la drogue, il faut s'attendre à tout. Sinon, franchement, ce qu'il dit là, moi, tous mes amis, quand ils disent que j'ai proféré des propos, ça c'est très important. Hein. Il parle de paix, de sécurité, il parle de paix sociale et tout. C'est bon. Monsieur le Président, juste un petit mot. Il parle de paix. Moi, tous mes amis... C'est bon, s'il vous plaît. Une autre question. Maître Baldé, qu'en dites-vous par rapport à la même question? J'ai pas bien. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Oui, le lendemain matin, vous avez été conduit sur ordre de colonel Moussa Tchebro Kamara au CHU de... Non, je le dis, vous savez, honnêtement, tout ce que j'ai dit ici, au-delà de mes propos, ça fait l'objet de couvertures médiatiques. Les articles de presse existent. C'est facile de vérifier. L'heure à laquelle, je vous ai dit, on vous a envoyé au niveau de l'hôpital Donka, je ne sais pas exactement à quelle heure. Nous n'avions pas de montre avec nous. Et je n'avais même pas en fait de semis, j'avais juste mon t-shirt et on était exposés au soleil. Et on nous a reçus au niveau des services d'urgence de l'hôpital Donka à l'époque. Et j'aurais voulu vraiment, parce que pour moi, c'est vraiment important l'affirmation de colonel Diaby. Puisque, vous savez, on est là, je sais, en tant qu'accusé, vous avez le droit de mentir pour vous défendre, c'est tout à fait normal. Mais c'est important aussi pour l'opinion publique, puisque comme on le dit, il peut y arriver qu'on commette des erreurs, mais avec le temps, on le reconnaît, on se repent, on demande pardon, on l'accepte. Mais lorsqu'on persiste, ça signifie beaucoup. Donc, je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire puisque, comme je le dis, à l'époque, il y a eu des déclarations, il y a eu des prises de position. Je n'ai pas besoin de le dire puisque c'est connu, c'est vérifiable. C'est pas juste une question d'opinion. Monsieur le Président, juste une précision. C'est grave. C'est que je vous regarde, franchement, c'est grave. Parce que, monsieur le Président, il y a un problème. Il ne sait même plus, hein, il ne sait plus, hein, il est perdu comme ça, il ne sait plus où mettre. Laissez tout le monde. Laissez donc, les gens. Ouais, laissez okay, tout le monde. Donc, monsieur voilà. Le Président, monsieur le Président, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Hein. Ce monsieur parle de 15h, 16h. 16h, chef, les chefs de. C'est bon, est-ce qu'il y a une autre question? C'est bon. Bon, vous avez compris cela. Mais ce qui est grave dans tout ça, ce qui est encore plus grave, c'est du fait que ce monsieur nie les 5 millions, bien que petit. C'est bon, s'il vous plaît. Mais c'est grave. Hein? Une autre question. Oui. Colonel, vous êtes arrivé au niveau de la maison des jeunes ce jour à quelle heure? Moi, je vous dis vers 17h, car je n'ai pas chronométré. Mais je sais que vers 17h, parce que le marché était encore plein. C'est encore vérifiable. Monsieur Baldé, le colonel est arrivé aux environs de quelle heure? À la maison des jeunes, maître, okay. S'il vous plaît. Oui. Vous savez, quand il dit à 17h, puisqu'à 17h, il y avait encore beaucoup de monde dans la maison des jeunes, hein, il y avait non seulement les journalistes, les diplomates qui passaient à 17h, on était encore dehors. C'est à partir, je ne peux pas me rappeler exactement l'heure exacte, mais c'est aux alentours de 19h qu'on y sommes rentrés dans la salle. Et il est arrivé au niveau de la salle, je pense vraiment dans les environs, de 20h comme ça, parce qu'on était couchés sur les matelas, mais on ne dormait pas, on discutait entre nous. Ils sont venus défoncer la porte, mais je ne pourrais pas vous dire l'heure exacte, mais c'est aux alentours de 20h. Monsieur Diallo, s'il vous plaît, la même question. Laquelle? Le colonel est arrivé au niveau de la maison des jeunes ce jour, aux environs de quelle heure? Aux environs de 0h. J'avais fait mes prières, voilà. J'avais fini, je me suis couché. C'est aux environs de 0h que la violence avec ces hommes qu'ils ont orchestré, perpétré contre nous. Vous étiez effectivement avec Maître Baldé? J'étais avec Maître Baldé. Merci. Et beaucoup d'autres, hein? Ouais, et beaucoup, voilà. Le tribunal apprécie là. Voilà. Et... Monsieur Diallo, vous avez déclaré ici qu'on vous a fait subir toutes les violations des droits de l'homme avec des matraques sur la tête. Vous le confirmez? Je le confirme. Un colonel. Merci, monsieur le président. Parce qu'on parle de vous, hein. Voilà. D'abord, personnellement. C'est une allégation pure et simple.
parce qu'il a entendu ici matraque, matraque, matraque. Et toutes ces questions de matraque ne relèvent pas de moi. Mon service n'a été jamais doté de matraque tout le long de mon séjour au service spécial. Un, là, tout ce qui est question de lacrymogène ne relève pas de moi. C'est bon, on parle de matraque, s'il vous plaît. Ça. Voilà, okay. Soyez... Matraque, non. Voilà. Qu'en dites-vous? Moi, personnellement, parce que, comme vous expliquez, on était... Je n'ai pas dit 10 personnes exactes, parce qu'il a dit un peu plus tôt. On était, je pense qu'on était 11-13. Est-ce que vous avez reçu des coups de matraque? Non, moi, personnellement, je n'ai pas reçu de coups de matraque. Moi, personnellement. C'est bon. Et monsieur Diallo, vous déclarez encore au service, il a ordonné de nous mettre dans un conteneur après toutes sortes de tortures sans issue. Vous confirmez? Oui. Oui. C'est le colonel qui a ordonné qu'on vous mette dans un conteneur. Oui. C'est lui. Il était le commandant en chef de, comment on appelle, de, le commandant, si vous voulez. J'enlève chef pour ne pas que, qu'on pense que je vais à l'autre hiérarchie. Il était le commandant de cette unité. C'est lui qui a ordonné de nous mettre. Et c'est devant lui qu'on nous a jeté dans le conteneur et on a fermé. Donc c'est lui. Un subordonné ne pouvait pas, un de ses subordonnés ne pouvait pas prendre la décision de nous jeter. Et même lui, même si un tel cas se produisait, en tant s'il était officier républicain, respectueux des règles, les valeurs, principes démocratiques, les questions des droits de l'homme, c'est il bon. N'allait pas accepter. Mais malheureusement, c'est lui qui a donné l'ordre de nous jeter dans le conteneur. Ouais. Le colonel, c'est vous qui avez instruit? Mais, maître, je vous dis que ces gens ne se sont même pas approchés au violon. Rappelez-vous donc, l'insupposé conteneur. Il n'existait pas de conteneur à mon service. Ça a été dit ici, je pense, c'est confirmé. Un, deux, je suis un officier républicain. Qu'il le sache, que moi je me suis sacrifié pour ce pays parce que je suis républicain. Deuxièmement, quand mon frère dit que... C'est pas pour répondre à votre frère là, la question elle est précise. Quand les accusés, que les accusés ont le droit de mentir pour se chercher. Moi, je ne suis pas un accusé de ce genre. Si j'ai commis une infraction quelconque ce jour ou les jours précédents, est-ce que vous avez donné l'ordre de les mettre pas dans un conteneur? Pas du tout, il n'y avait pas de conteneur. C'est bon. Voilà. C'est bien le colonel qui a donné l'ordre devant vous de vous mettre dans un conteneur. Maître Baldé. Oui, c'est lui qui a donné, vous savez, maître. Je vous expliquais les circonstances dans lesquelles il nous a envoyé là-bas, il nous a menacés. Et ce sont ses propos, j'ai mis dans ma déclaration, j'ai mis entre guillemets, ce sont les propos qu'il a tenus pas. Il dit que la grève de la faim, c'est une forme de terrorisme moderne. Après nous avoir obligés d'avaler ces pains fades libanais, il nous a mis dans le conteneur. Et moi, c'est là où, en fait, que je l'ai vu la dernière fois, si ma mémoire est bonne, parce que bon, ça fait c'est très bon. Longtemps. Monsieur le Président, si vous permettez un petit élément par rapport au conteneur. Allez-y. Je rappelle qu'il est acquis au débat ici dans cette salle. J'ai suivi le lieutenant Marcel, qu'il m'excuse de le dire, qui auparavant a expliqué qu'il a fait beaucoup, même je crois bien, son enfance au camp, qui vivait au camp avant l'arrivée même du CNDD. Et vous savez qu'une fois même, commandant Toumba avait dit qu'il était tellement, il avait tellement une assise au camp là-bas qu'on l'appelait le parrain des caporaux. Ici, lieutenant Marcel a bel et bien dit qu'il y avait des conteneurs avant l'arrivée du CNRD qui servaient de lieu de garde, si vous voulez, du matériel militaire. Lieutenant Marcel l'a dit ici. Donc s'il dit qu'il n'y avait pas de conteneurs, je lui rappelle que c'est déjà acquis au débat en connaissance de cause, une personne qui connaît c'est bien bon, hein? Qu'il y avait ces conteneurs c'est là-bas. Bon. Voilà. C'est bon. Marcel. Oui, mon colonel, vous les avez traités de terroristes, ce qu'ils déclarent. Bon, monsieur le président, je reviens avec votre permission sur cette histoire de conteneur. Personne ne vous a demandé de parler d'une histoire de conteneur. Conteneur. On vous a posé la question de savoir si vous les avez traités de terroristes. C'est ça, hein? C'est ça oui, la mais, question. D'accord, monsieur le président, je réponds. Comme vous le voulez. Alors, terroriste 2009. Le mot terroriste n'était pas dans nos jargons militaires. Parce que l'Afrique n'était pas encore menacée. C'est bon. C'est ça. Oui. Maître Baldé. Oui. Vous avez été traité de terroriste. Vous le confirmez. Je répète mot par mot.
Il dit qu'une grève de la faim, c'est une forme de terrorisme moderne qu'il n'y a jamais eu de grève de la faim en Guinée, puisque effectivement c'était la première fois qu'une grève de la faim avait été organisée ici en Guinée. Et au début, je me rappelle, les gens nous disaient que ça n'allait avoir aucun impact. Est-ce qu'il vous a traité de terroriste? Oui. Monsieur Diallo. Le président. Oui. Monsieur Diallo, s'il vous plaît. Oui. Maître. Oui. C'est que, en plus de terroriste, il nous a traité de narcotrafiquants. Il est parti jusqu'à dire que l'eau même que nous devions boire là, que ce sont les narcotrafiquants qui avaient acheté. Il l'a dit. Est-ce que vous avez été traité de terroriste? Si, monsieur le président. C'est bon. Bel et bien. Merci, monsieur le président. Oui, il l'avait dit. Je n'invente rien. C'est bon. Merci, merci, c'est bon. Merci, monsieur le président. Vous n'avez pas la parole. Ah, ok. Vous avez déjà répondu. Non, je n'ai pas répondu. Narcotrafiquant. Ah, vous avez été le premier à répondre à la question. Oui, vous avez parlé de narcotrafiquant, mon colonel. Il était traité de narco. Non, vous avez parlé de narcotrafiquant. À ce jour-là. Je n'ai pas parlé de narcotrafiquant. Moi-même, je suis professeur de narcoterrorisme. Je sais de quoi il s'agit. Le terrorisme et le narcotique. C'est bon. C'est ça. Je vous remercie, monsieur le président. Bien. Merci, monsieur le président. Merci, le général assesseur. Pratiquement, monsieur le président, moi, je suis là pour parler ou pour poser des questions sur l'événement du 28 septembre 2009 et non 28 octobre et suivant, monsieur le président. Allez-y, alors. Je vous remercie, je n'ai pas de questions. Je suis là pour le 28 septembre. Il n'y a pas de questions. Je ne sais pas si le colonel Diaby peut venir, si vous le permettez. Vous pouvez vous rasseoir, s'il vous plaît. Merci, monsieur le président. Vous pouvez rejoindre vos places. Merci, monsieur. Colonel Tamba Gabriel Diawara. Monsieur Ibrahima Camara Di Kalonzo. Asseyez-vous. Ministère public. Merci, monsieur le président. Distingués assesseurs, nous avons voulu que l'accusé Ibrahima Camara Kalonzo soit confronté à monsieur Tamba Gabriel Diawara. Monsieur le procureur, s'il vous plaît. Mon nom, c'est colonel Ibrahima Camara Di Kalonzo. Je ne vous appelle pas colonel, je vous appelle monsieur. Ce sont vos prénoms et noms, non? Ibrahima Camara Di Kalonzo. Oui, mais je suis colonel. Ça dérange quoi si je vous dis monsieur? Ça ne vous diminue en rien, monsieur. Je continue. Monsieur le Président, nous avons voulu que l'accusé, M. Ibrahima Camara, alias Kalonzo, soit confronté à M. Tamba Gabriel Diawara sur l'unique point de la présence du premier, le 28 septembre 2009, au violon du PM3. Monsieur Ibrahima Camara Kalonzo, vous confirmez, comme vous l'avez dit préalablement lors de votre interrogatoire,
que le 28 septembre 2009, vous étiez bien retenu au violon du PM3. Merci, Monsieur le Président. Merci également, Monsieur les assesseurs. Et merci à l'ensemble de la Cour. Comme je l'ai si bien dit, au départ de ce procès, lors de mon passage ici, j'ai bel et bien dit que je ne connais absolument rien dans cette affaire du 28 septembre, parce que j'étais retenu au PM3. Je suis rentré au PM3 le 3 août 2009 et je suis sorti le 6 novembre de la même année. Le pourquoi? Parce que... 3 août 2009, 6 novembre de la même année, vous avez dit. Oui, le 6 novembre de la même année. Très bien. Soit 3 mois, 3 jours, j'étais là-bas. Très bien. Monsieur Tamba Gabriel Diawara, la même question. Est-ce que vous confirmez que du 3 août 2009 au 6 novembre de la même année, Monsieur Ibrahima Camara alias Kalonzo était bien au violon du PM3? Je vous remercie, Monsieur le procureur. Je ne peux le confirmer parce que, comme je l'ai dit auparavant, l'acte qui m'a nommé au PM3 comme commandant, je l'ai rapporté. Ça date du 21 octobre 2009. À l'époque, j'étais lieutenant et le colonel Kalonzo n'y était plus. L'acte est là, qui en fait foi. S'il vous plaît, vous avez dit oui. Avoir été nommé comme commandant du PM3. Le 21 octobre. Le 21 octobre. 2009. Au préalable, vous étiez au service de, vous étiez en service là-bas, en qualité d'officier de police judiciaire. Affirmatif. Très bien. Est-ce que, en cette qualité, 28 septembre 2009, vous étiez là encore? J'y étais. Est-ce que Monsieur Ibrahima Camara Kalonzo y était? Je le réitère, je ne peux ni le confirmer ni l'infirmer. Parce que je n'ai pas spécialement, particulièrement porté attention à ça. Je l'ai dit auparavant. Donc, à votre nomination, en qualité de commandant, il n'y était plus. Il n'y était plus, il le sait. Très bien. Monsieur Ibrahima Camara Kalonzo. Présent. Vous êtes formel que vous avez séjourné dans les violons du PM3. Du 3 août 2009 au 6 novembre de la même année. Je confirme. C'est bien cela. C'est bien cela. Parce que quelqu'un qui est mis en prison, je pense qu'il est en train de subir de toutes les malveillances. Je ne peux oublier cette date jusqu'à ma mort. C'est pourquoi je persiste dessus et j'insiste que j'étais en prison du 3 au 6 novembre 2009. Monsieur le Président, c'est sur ce seul point que nous avions souhaité la présente confrontation. Partie civile. Vous remercions. Défense. Merci, Monsieur le Président. Mon colonel Kalonzo. Présent. Est-ce que vous avez vu le colonel Gabriel au PM3 le 28 septembre 2009? Bon, je ne peux le dire parce que j'étais dans le violon et c'était fermé hermétiquement ce jour-là. On était regroupés dans un grand hangar.
qui est dans l'enceinte du PM3. Donc, je ne peux dire avec exactitude que je l'ai trouvé là-bas ce jour. Mais vous pouvez confirmer qu'il était en service là-bas. Il était en service là-bas. Il était en service là-bas. Vous pouvez également confirmer qu'il avait pris contact avec vous. Pardon ? Qu'il avait pris contact avec vous pour faciliter votre libération. Dans un premier temps, il s'est rendu au camp voir mon chef de service, le colonel Thiebourou, dans l'objectif de régler notre différend. D'accord. C'était avant ou après les événements ? Ça, c'était après, tout après les événements. D'accord. Mon colonel. Maître. C'est bien cela ? Bon. Moi, je crois... Le colonel Kalonzo dit que le 28 septembre, qu'il y était. Oui. Il a dit que je ne peux ni infirmer ni confirmer. Mais ce que je peux rapporter, que le hangar qui était n'avait pas de porte. Il sait, c'est un officier. On n'écroue pas un officier. On n'écroue pas un officier. On peut prendre une mesure. Si vous voulez, un arrêt, mais on ne l'écroue pas. Tous les officiers qui sont passés au PM3 n'ont jamais été écroués. Ce n'est pas réglementaire. Un, de deux, le jour que je suis allé rencontrer Thiebourou, je suis allé avec lui. Je ne suis pas le seul, je suis allé avec lui. J'ai échangé avec Thiebourou, qui ne voulait pas qu'il y retourne. Mais finalement, j'ai finalement tordu son bras pour qu'il l'envoie ailleurs. C'est en ce moment qu'il a été muté à Fria. Bien. Yeah. Mon colonel, où est-ce que vous avez rencontré le colonel Thiebourou ? Oui. Mon colonel Gabriel. Vous dites ? Où est-ce que vous avez rencontré le colonel Thiebourou ? Dans ses installations au Calfaya. C'était après les événements ou avant ? Oh, je crois que ça devait être après les événements. Dieu merci. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Que acte nous en soit donné. Monsieur, mon colonel Diawara. Oui. Vous confirmez avoir rencontré le colonel Moussa Thiebourou Camara au camp Alpha Yaya après les événements du 28 septembre pour régler son démêlé avec le colonel Ibrahima Camara Di Kalonzo, n'est-ce pas? Affirmatif. Bien. Est-ce que vous confirmez que effectivement ce jour, cette rencontre a eu lieu un peu plus tardivement, après le coucher du soleil? Oui, c'était dans la soirée. Un vendredi. Bien. Est-ce que vous vous rappelez que lors de votre entretien avec le colonel Moussa Thiebourou Camara, il y avait un autre collègue qui était également au même service anti-drogue là-bas? Ça prend l'air d'un interrogatoire. Hein. Non, s'il confirme, je demande. Après, je vais revenir. Ce n'est pas un interrogatoire, monsieur ça le président. Ça prend l'air d'un interrogatoire. Mais ça ne serait pas un interrogatoire. Ça peut être une impression, mais ça ne le sera pas. Soyez rassurés. Mon colonel, est-ce que vous confirmez que cette rencontre a connu la présence d'un autre gendarme ou collègue qui était également au service là-bas, puisque je ne veux pas vous donner le nom ici, puisque le tribunal n'a pas voulu que ces personnes comparaissent. Le tribunal n'a jamais refusé que quelqu'un comparaisse. Pourquoi vous dites des choses qui ne se sont pas passées?
Vous avez demandé la comparution de quelqu'un, de qui ici est que le tribunal est refusé? De qui? Monsieur le Président, Monsieur le Président. Non, s'il vous plaît, vous avez demandé la comparution de qui dans cette affaire-là, le tribunal a refusé? Que l'intéressé comparaisse. Qui? Voilà. Non, Monsieur le Président. On est là encore, hein, on n'a pas fini. Oui, vous accusez le tribunal. Ce n'est bon. Devant tout le monde, alors que ça ne s'est jamais passé. Parce que quand vous dites que le tribunal n'a pas accepté la comparution de quelqu'un. Non, je n'ai pas dit que le tribunal a refusé. C'est le français, vous parlez, Ahmed, quand vous dites que le tribunal n'a pas accepté, qu'est-ce que ça veut dire? N'a pas voulu. Monsieur le Président, je sais ce que j'emploie lorsque je suis au prétoire. Quand vous dites que le tribunal n'a pas voulu, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Merci, Monsieur le Président. Qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur le Président, il est acquis au débat que des témoins ont été entendus. Quand vous dites que le tribunal n'a pas voulu, qu'est-ce que ça veut dire? Dites-nous ça. Ce que je suis en train de vous expliquer, Monsieur le Président. Si vous voulez comprendre, je peux vous donner ces explications. Je soigne mes mots au prétoire. Alors dites, voilà. Dites s'il vous plaît, il s'il vous plaît, au débat, s'il vous plaît, s'il vous plaît, dites ce qui est. Voilà. Voilà, mais ne dites jamais que le tribunal n'a pas voulu que X ou Y soit là. Le tribunal ne l'a jamais voulu, tout le monde est là, vos confrères sont là, on est suivi de partout. Le tribunal, vous n'avez jamais demandé ici à ce que quelqu'un comparaisse et que le tribunal ne l'ai pas voulu. Ça ne s'est jamais passé. Oui, mais... Voilà. Allez-y alors avec les questions. Sauf que... Allez-y avec les questions, s'il vous plaît. Je continue avec les questions. Sauf que nous n'avons jamais demandé que ça a été refusé. Mais allez-y avec les questions. Je voudrais simplement préciser qu'il y a des noms qui ont été cités comme témoins, qui ont été entendus au cabinet d'instruction, mais malheureusement qui n'ont pas été entendus dans les débats ici. Qui a demandé à ce que ces personnes viennent? Oui, Monsieur le Président, vous savez, ça c'est de s'il vous débat. Plaît, vous savez, s'il vous plaît, hein, Monsieur le Président. Vous savez, je vous laisse trop dire les choses ici. Non. S'il vous plaît, suivez-moi. Oui. C'est pas... Ne créez pas des règles ou de la loi qui n'existe pas. Ne créez pas ça. Je ne sais pas où est-ce que c'est écrit, dans quelle disposition, de quelle loi, que tous ceux qui ont été auditionnés dans le cabinet d'instruction, que le tribunal est obligé, sur son propre gré, de les faire venir à la barre de ce tribunal. Je ne sais pas où cela est écrit. Je ne sais pas où vous l'avez tiré. Donc c'est pourquoi je vous dis de poser des questions, d'arrêter de vous aventurer sur des trucs sur lesquels vous n'avez vraiment pas, vous n'avez aucune base légale, vous n'avez aucune disposition légale qui vous permet de le dire. Donc allez-y avec les questions. Voilà. Si des gens ont été interrogés dans le cabinet d'instruction, rien n'oblige le tribunal de les faire venir. Les interrogatoires ou les auditions qui sont versées au dossier servent déjà le tribunal. Ce sont des pièces de la procédure. Donc, ne vous aventurez pas. Continuez à poser des questions, s'il vous plaît. Merci, Monsieur. On a trop retardé, d'ailleurs. J'ai trop discuté avec vous. Merci, Monsieur le Président. Voilà, allez-y avec on les questions. On pouvait l'éviter. Mon colonel. Maître. Et Diawara. Est-ce que vous confirmez cela? Reprenez la question, s'il vous plaît. La rencontre avec le colonel Moussa Tchegoro Camara au camp Alpha Yaya a connu la présence de vos collègues qui étaient également de service à l'antidrogue. Est-ce que vous vous rappelez? Il y a 15 ans de cela, je ne me rappelle pas, mais ce que je sais, oui. Et chaque fois que je rencontrer Tchegoro, c'était à deux. Bien. Mais ce jour-là, c'était possible. Bien. Je ne me rappelle pas. Merci. Et ce jour-là, est-ce que c'est la même nuit, selon vous, le colonel Ibrahim Kalonzo est sorti, est rentré chez lui? Non, c'est le lendemain. C'était un samedi. C'était le lendemain. Un samedi.
Mon colonel Kalonzo. Présent. Ibrahim Kamara. Présent. Dick Kalonzo. Oui. Le jour vous avez entendu le colonel Gabriel Diawara dire que votre rencontre au camp Alfaya avec le colonel Moussa Tchegoro Kamara, c'était après le 28 septembre. Est-ce que cela est conforme à la réalité? C'est de la réalité. Ça confirme votre déposition. Vous Pardon? Maintenez votre déposition alors? Pardon? Vous maintenez vos déclarations selon lesquelles vous êtes sorti du... Vous êtes sorti du PM3 après les événements du 28 septembre. Je suis sorti du PM3 après les événements du 28 septembre. Est-ce que le jour de la rencontre de Moussa, de colonel Moussa Tchegoro Kamara au camp Alfayaya, est-ce qu'il y avait la présence de ce collègue? Bon, je ne veux pas parler du nom. Comme l'a dit le colonel Gabriel, ce jour-là, il y avait lui, il y avait moi, il y avait le colonel Faimba Kamara, qui est le secrétaire général du haut commandement actuel. Bon, ok, puisque le nom est... C'est vous qui dites le nom. Mon colonel, et vous vous rappelez qu'il pouvait... Il était présent à la rencontre, là, mon colonel Diawara. Bon, je ne peux pas fouetter ma mémoire. Oui. J'ai dit que je ne me rappelle pas. Et je suis miable là-dessus. Bien. Merci, monsieur le président. J'en ai terminé. Présent. Qui avait donné des instructions de vous arrêter? C'était le chef d'état-major d'alors. Chef d'état-major d'alors, oui. Le colonel François. Colonel François Béabogui. Très bien. Colonel Gabriel, est-ce que vous étiez au courant que colonel François avait ordonné l'arrestation de M. Kalonzo? Je n'étais pas au courant. Ah bon? Bien. Vous avez dit que vous avez pris M. Kalonzo pour l'envoyer chez le colonel Tchegoro. C'était pour régler le problème entre les deux ou c'était pourquoi? Comme je l'ai dit auparavant lors de mon passage, j'ai dit que le colonel Kalonzo est un aîné, un condisciple à l'académie. Tchegoro, lui, c'est un ami de plus de 30 ans. Et les deux, nous trois, nous sommes rencontrés à l'étranger. Et le différent qui était entre eux, j'ai volé au secours pour trouver bien. Une issue à ce différent. Très bien. Maintenant, ça c'était avant ou après les événements du 28 septembre? Bon, vous revenez sur la même chose. Ok, merci. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur, mes colonels, avec la permission du tribunal, j'ai un peu de difficulté à comprendre quelques enseignements militaires. Pardon? Je dis que j'ai quelques difficultés à comprendre quelques enseignements militaires, mais ma question s'adresse à vous deux à la fois. Oui. Le colonel avait dit tout à l'heure, colonel Gabriel avait dit tout à l'heure, que... Il n'est pas d'ordre de mettre, comme on appelle, des officiers en détention et mettre la porte. Est-ce exact? C'est exact ça, n'est-ce pas? Bon, chaque fois que j'ai été mis en prison suite à un arrêt, un billet d'arrêt, mais on nous coffre. Mais est-ce que dans l'enseignement, tel est le cas, comme ce qu'a dit le colonel? Bon,
Comme ce qu'il a dit, peut-être qu'il a raison. Non, mais vous êtes militaire. Oui, je le dis ainsi. Vous avez reçu une formation, vous le devez le savoir. Je le dis ainsi. Je le dis comme ça. Mon colonel, vous pouvez nous éclairer, s'il vous plaît. Oui, le libellé même, le titre, les titres ne sont pas identiques. On dit billet de courroux. Exactement. Et billet d'arrêt, ce n'est pas la même chose. L'arrêt est réservé pour les officiers. Et courroux, c'est dans le violon. Et je sais, quand j'étais au PM3, je le dis, le colonel Kalonzo n'a jamais été écourié. Il était dans la cour, ou dans l'hangar, dans la grande salle, ou dans la cour. Il avait même un lipico sur lequel il se reposait. Mais il n'a jamais été écourié. S'il le dit ici, je l'infirme. Très bien. Écourié, ça veut dire mettre dedans. Exactement. Ça, c'est pour les subordonnés. Arrêt, c'est pour les officiers. Il le sait. Merci, mon colonel. Bien. Mais mon colonel, quand on met un officier sous en arrêt de ce genre, est-ce qu'il a la mobilité, il a la capacité de se déplacer tant de se rendre même de l'autre côté de la route, s'acheter un petit bonbon ou bien se rendre à domicile? Est-ce que ça c'est possible? Et puis après revenir, c'est-à-dire, on arrête un officier, comme ce que vous avez décrit tout à l'heure, l'officier est sous votre responsabilité, mais il n'est pas écroué. Est-ce que cet officier qui se promène dans la cour a la faculté de sortir de l'enceinte de son lieu de détention pour pouvoir s'acheter certains objets ou bien à se déplacer comme il le veut, après revenir? Une prison est une prison. Donc il ne peut en aucun cas. Même dans votre bureau, on peut circonscrire ou limiter votre lieu de manœuvre. Ça devient une prison. Il ne peut pas aller au-delà. Comme il était au PM3, en dehors du PM3, ce n'était pas possible. Très bien. Il avait une marge de manœuvre. À l'intérieur, ça, il pouvait. Très bien. Colonel Kalonzo, donc vous n'avez jamais mis pied au dehors pendant votre détention. Est-ce le cas? Bon, il arrivait des moments que je sortais. Pour aller où? Juste dans la cour et puis soit m'asseoir à la rentrée de notre hangar pour lire un roman, comme je l'ai dit ici dans mon primitif. D'accord, donc vous ne pouvez jamais sortir en dehors de la cour, c'est pas, ça pas du tout. D'accord. Maintenant, mon colonel Diawara, j'aimerais comprendre. Vous vous êtes déplacé à aller voir le colonel Kegboro pour trouver une solution à sa situation. Votre lieu de départ exactement, c'était au PM3 ou ailleurs? Au PM3, c'est moi qui l'ai pris au PM3. J'ai pris la responsabilité de l'amener au camp. Donc du PM3 au camp Alfaïa. Et cette responsabilité, je l'assume. Très bien. Colonel Kalonzo, vous le confirmez aussi? Exact. Mais mon colonel, comment vous pouvez expliquer alors, si lui, il a eu la liberté après les événements du 28 septembre, c'est-à-dire après les événements du 28 septembre, vous l'avez conduit à l'Eva Kegboro et il a recouvré la liberté le lendemain. Mais vous avez dit que, étant officier, quand on est en détention, on ne peut pas sortir. Une prison est une prison. Est-ce que vous pouvez affirmer ici alors que colonel Kalonzo était aux événements du 28 septembre? Moi, je ne l'ai pas affirmé. Je l'ai dit, j'ai présenté un acte. Le point de divergence entre lui et moi, c'est la date de sa sortie. Il est sorti de prison, je crois, quelques jours après, ou une semaine, deux semaines. Moi, j'ai été nommé commandant du PM3. Et je confirme que c'est au mois d'octobre qu'il est sorti de prison. Je suis d'accord avec vous. Seulement, c'est sur ce point technique-là, j'aimerais comprendre. Lequel? D'après les données que vous nous avez données comme information, on ne peut en aucun cas sortir de la cour de sa détention. Et vous l'avez conduit, votre point de départ était le PM3 où il était détenu. Il ne peut en aucun cas sortir. Ouais. Le point de départ est le PM3. Ouais. Il a recouvré la liberté le lendemain, c'est-à-dire le...
le lendemain de la rencontre avec le colonel Tchekboro, techniquement, est-ce que ce monsieur, ce colonel alors, pouvait être aux événements du 28 septembre qui étaient antérieurs à sa liberté? Moi, je ne me prononce pas sur ça. J'ai dit que je suis catégorique. Je ne peux ni confirmer ni infirmer sa présence au PM3. Je sais qu'il était en prison. Mais ces jours-là, je n'ai pas prêté attention. Donc, si je comprends. Il était au PM3 et il n'est sorti qu'au mois d'octobre. Ça, je le confirme. Donc, de sa détention jusqu'à votre service au PM3, vous vous ignoriez qu'il était au PM3. Est-ce le cas? Non, je n'ai pas ignoré. Je n'ai pas dit que j'ai ignoré. Voilà, vous revenez sur des oui, choses qui ont été... Je n'ai pas ignoré. Vous avez raison, monsieur le Président. J'ai dit qu'il était au PM3. C'est bon. Hein? Donc, monsieur le Président, pour conclure, techniquement, mon colonel Gabriel, avec les explications que vous aviez données, quelle pensée vous pouvez donner au tribunal pour démontrer réellement qu'il bon, pouvait... Ce n'est pas un interrogatoire hein, oui, monsieur le président. Pour monsieur Gawara. Oui, je suis d'accord, monsieur le président. Veuillez m'en excuser. Mon colonel, oui. Techniquement, du point de départ PM3 à sa libération, la date du 28 septembre, techniquement, colonel Kalonzo était au PM3. Est-ce le cas? Oui. Colonel Kalonzo, vous le confirmez? Je suis resté en prison, je dis bien, du 3 août 2009 au 6 novembre. Je suis sorti. Très bien. Monsieur oui. Le Président, vous voulez parler, mon colonel? Ça, je ne le confirme pas, parce que quand le colonel Kalonzo a été libéré, moi, je n'étais pas commandant du PM3, il le sait. C'est le colonel Baouri qui y était, et c'est à cet effet que le colonel Baouri a été certainement entendu par voie d'huissier, et il a donné sa version. Moi, je suis venu après, et je l'ai dit, la décision numéro 401, signée par le général Baldé, en fait foi. Je l'ai ici, signée le 21 octobre 2009. Et je suis passé capitaine 11 jours après. Et quand lui quittait la prison, il était capitaine, j'étais lieutenant. C'est bon. Il le sait. Okay. Merci. Merci, monsieur le président. Honorable monsieur le Sœur, merci. Mon colonel, je vais simplement vous poser des questions par rapport à cette précision. Est-ce que vous confirmez devant ce tribunal que Kalonzo était en détention au PM3 n'a pas la possibilité de sortir en dehors de la cour du PM3? Je suis catégorique là-dessus. Ce n'était même pas possible. Très bien. Donc, cela veut dire tout simplement qu'il n'est pas sorti le jour du 28 septembre 2009. Je crois que ça, c'est la cour de tirer sur ça. Moi, ce que je sais, c'est ce que j'ai dit. Il est rentré en prison. J'ai été surpris de le voir en prison. Et il n'est sorti qu'au mois d'octobre, quand je l'ai envoyé au bureau de Tchekboro. C'est bon. C'est tout. Donc, c'est compris par le tribunal qu'il était en détention, il n'a pas pu sortir. Donc, colonel Kalonzo, vous confirmez que depuis que vous êtes rentré le 3 août jusqu'au 6 novembre, je ne suis pas sorti de la cour. Vous étiez permanemment là. J'étais permanemment en place, je n'étais pas sorti de la cour. Est-ce que vous pouvez avoir la possibilité de sortir en dehors du PM3 ce jour-là, le 28 septembre? Il y a la garde là-bas en permanence, 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Pour nous voir, il faut passer par la garde. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le général assesseur. Monsieur Camara, vous avez entendu monsieur Gawara dire qu'au moment où il prenait service comme commandant du PM3,
que vous n'étiez plus là-bas, vous n'étiez plus en prison. Qu'est-ce que vous en dites? Bien, je ne peux affirmer ni infirmer de ce qu'il dit. Mais en ce qui me concerne, parce que la prison que j'ai faite, c'est moi qui ai enduré la douleur physique et morale. Donc je connais les dates lesquelles je suis rentré et je suis sorti. Je reprends encore que je suis rentré le 3 et sorti le 6 novembre 2009. Vous pouviez être au PM3 et les deux sont unanimes que vous étiez dans un hangar. Pardon? Les deux, vous êtes unanimes que vous étiez dans un hangar. S'il vous plaît, suivez. C'est un grand bâtiment. Suivez simplement, suivez-moi. Vous étiez dans un hangar qui n'était pas fermé. Mais c'était toute prison infermable. S'il vous plaît. Oui. Vous n'avez pas dit le contraire de ce que M. Diawara a dit. Hein. J'ai dit c'est fermable parce que la nuit. S'il vous plaît. Fermer. Oui, allez-y. Suivez-moi. Oui. Donc vous étiez dans un hangar qui n'était pas fermé. Vous-même, vous avez dit, vous sortiez deux fois dehors. Est-ce que un commandant pouvait venir prendre fonction sans que vous ne le sachiez? Parce que quand vous dites que vous ne pouvez ni infirmer ni confirmer, est-ce que vous pouviez rester sans le savoir? Monsieur le Président, j'étais en violon. J'étais dans le violon. Je ne savais pas. Ah, vous étiez encore dans le violon. Vous étiez dans le violon. Oui, c'est un violon. Monsieur Diawara, c'était un violon? Bon, c'est un local qui était réservé pour les officiers. Est-ce que c'était un violon? Ça n'avait même pas de porte. Est-ce que vous le confirmez qu'il n'y avait pas de porte? La porte y était. Mais la journée, on ouvre la porte et moi je sortais, comme je l'ai dit dans ma déclaration, moi je sortais pour lire les romans que certains co-prisonniers me donnaient. On est d'accord, est-ce qu'on est d'accord que même s'il y avait une porte, la porte n'était pas fermée, elle était ouverte. Est-ce qu'on est d'accord? J'ai dit la porte était fermée les nuits. Le matin. Est-ce que la journée, au moins, la porte était ouverte? La porte s'ouvre la journée. Est-ce que vous aviez la latitude de sortir? Bien, venir dans nous. Dans la cour, je ne suis pas le seul. D'accord. Nous sommes avec vous. Oui. Suivez-moi, ne soyez pas pressés. Hein. D'accord. Je veux comprendre tout juste quelque chose. Suivez-moi. Vous êtes dans un hangar qui n'est pas, ou d'ailleurs, où vous avez la latitude de sortir, d'y sortir deux fois. Est-ce qu'un commandant, un nouveau commandant de cet endroit peut venir, qu'il soit installé, vous êtes là, vous avez la latitude de vous mouvoir au moins dans la cour, sans le savoir? Je n'ai pas compris, Monsieur le Président. Pourtant, elle est très simple. Vous êtes dans un endroit où vous avez l'attitude, où vous avez la latitude de vous mouvoir, d'y sortir deux fois, venir au moins dans la cour, prendre même des documents pour venir lire dehors. Oui. Est-ce qu'un nouveau commandant, c'est-à-dire un nouveau chef de ce lieu, peut venir, on l'installe, vous êtes là sans vous en rendre compte? Bien, Monsieur le Président, non. Alors, est-ce que vous avez su pour quand Monsieur Diawara a été nommé à cet endroit? Je le sais. Quand il fut nommé, je le sais. Alors que vous étiez là,
J'étais présent, c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous l'avez entendu, il dit que vous n'étiez pas là quand il a été nommé. Bon, peut-être, c'est peu qu'il soit, qu'il oublie, mais en ce qui me concerne, monsieur le président, je suis rentré là-bas le 3. Je suis monsieur sorti... Diawara, vous avez oublié? Vous avez dû oublier? Je n'ai pas oublié, parce que quand j'ai accompagné Kalonjo chez Thiéboro, je n'étais pas commandant du PM3. Et le lendemain, le général Balda a appelé. Il me dit, où est le colonel Baouri? Il dit, il n'est pas là. Il dit, la position de Kalonzo. Il dit, Kalonzo est sorti. Il dit, comment? Je l'ai expliqué. Il dit, c'est lui qui l'a amené Thiéboro et il a sorti. C'est ce que je lui ai dit. Il dit, tant mieux. Il dit, c'est lui qui l'a amené. S'il a désiré de faire qu'il parte, il dit, il n'y a pas de souci. On s'est limité là. J'étais lieutenant. Vous avez, c'est bon? Vous avez entendu? Vous avez compris? Bon, j'ai entendu. Vous étiez toujours là. Pardon, vous étiez toujours là. J'étais en prison. Je reste mordicus que j'étais en prison. C'est bon. Monsieur Diawara, vous avez sorti Monsieur Kalonzo pour l'envoyer voir Monsieur Moussa Kiégoro. Affirmatif. Après, je l'ai retourné. À quel titre? Bon, j'y servais. J'étais officier de police judiciaire. J'ai offert mes services pour les réconcilier. Monsieur Kalonzo, c'était à ce titre? Bien sûr, colonel, si vous me permettez, colonel Gabriel, colonel Thiéboro, colonel Boiro, colonel Yeyamou, décédé, paix à son âme, et le colonel... Édouard, nous avons eu la chance de partir en Chine ensemble pour les cours. Est-ce que c'est en tant qu'officier de police judiciaire qu'il a pu vous sortir pour vous envoyer voir M. Moussa Kiégoro Camara? Monsieur le Président, je ne peux affirmer. Vous ne savez pas. Parce que lui, c'est un camarade de promotion, n'est-ce pas, en Chine. Donc, à ce titre, je le remercie pour ça. Il est allé voir colonel Thiéboro, arranger le différend qui était entre nous, et puis il est venu me prendre la nuit, et puis on s'est rendu là-bas. C'était tout. Monsieur Diawara, ce que vous avez fait pour monsieur Kalonzo, Est-ce qu'un autre agent de ce service pouvait le sortir de cette manière? Non. Pourquoi? Bon, moi, j'ai joui de mes relations avec Thiéboro. C'est ce qui a fait que j'ai... Est-ce qu'un autre agent peut le sortir du PM3? Même si ce n'était pas pour l'envoyer chez M. Moussa Kiégoro Camara. Non, ce n'était pas possible. Pourquoi? Bon, il y avait les services de garde. Quand vous l'avez sorti, les services de garde n'étaient pas au courant? J'étais de service ce jour-là. Vous dites? J'étais de service. Vous étiez de service? Oui. Est-ce que quelqu'un d'autre pouvait le faire si vous n'êtes pas là? Bon, ça dépend. Moi, j'ai pris la responsabilité de le faire. C'est pourquoi je vous demande, est-ce que quelqu'un d'autre pouvait prendre la même responsabilité de le sortir? Ça, c'est relatif. Monsieur Kalonzo Camara, est-ce que quelqu'un d'autre pouvait prendre la même responsabilité de vous faire sortir, comme l'a fait Monsieur Diawara? Je dis et je reprends, je dis suite... des relations qui sont entre moi et colonel Diawara et tant d'autres, je crois à ce titre, il s'est permis. C'est bon. Vous vouliez parler? Oui, allez-y. Le
la question est très importante. Et Ibrahim, mon collègue Ibrahim Camara dit Kalonzo. Présent. Quand, puisque vous dites que vous avez dit que elle a été nommée commandant pendant que vous étiez là, quand vous avez été informé de cette nouvelle responsabilité, quel était désormais votre état de rétention au niveau du PM3 après que le colonel Gabriel ait accédé au poste de commandant du peloton? C'était un peloton en ce moment. Dans un premier temps, j'étais content parce que c'est un ami qui accède à un poste de responsabilité. Dans un deuxième temps, je sais que c'est à cause de ça, vu notre relation, vu que je suis resté longtemps en prison, oui, et qu'il a eu pitié de moi, je dis bien que je le remercie pour ça. Bien. Et mon colonel Gabriel, et lorsque monsieur le colonel Ibrahim Camara est sorti de la prison, selon vous, est-ce que à un moment il a eu à exprimer une quelconque joie par rapport à votre nomination comme commandant? Est-ce que vous vous rappelez d'un seul instant? Bon, je suis invariable sur ce que j'ai dit. Au moment où on me nommait, il n'y était pas. Oui, ça c'est compris. On ne s'est plus revu. Oui. Si ce n'est que quelques années ou quelques mois après, on s'est vu. Parce que là, lui, il est parti à Fria. Bien. Et mon collègue, Ibrahima et Camara dit Kalonzo. Président. Vous avez, le président, mon collègue Gabriel a dit tout à l'heure, à un moment, quand il a réussi à vous faire sortir et à vous faire rentrer à la maison, que le chef d'état-major à l'époque de la gendarmerie a appelé et qu'il a dit que il vous a fait sortir, bon, et qu'il a demandé, et le commandant Baouri, je voudrais savoir, est-ce que selon vous, si colonel Gabriel n'était pas le commandant adjoint, il n'était pas l'officier de police judiciaire chargé du dossier, il n'avait pas été désigné pour assurer l'intérim, est-ce que selon vous, il pouvait prendre une telle responsabilité sur vous, étant donné que vous ne faisiez pas l'objet de procédures régulières? C'est la dernière question. Bon, si vous me posez cette question, je dis que le colonel Tamba Gabriel a été, n'est-ce pas, un ami de promotion. Je suis plus ancien que lui, mais c'est un ami de promotion. Donc, quand j'ai été sorti de la prison par lui et il m'a amené chez le colonel Tseboro, vraiment, je ne fais que le remercier par rapport à ça. Bien. Bon, colonel Gabriel, vous êtes d'accord avec colonel Ibrahim Camara que la date d'entrée, la date de l'établissement du billet d'arrêt contre lui, la date de sa libération, est-ce que vous êtes d'accord avec lui que ce sont deux dates essentielles, parfois, qui peuvent être difficilement oubliées par lui, la personne concernée? Maître, je ne voudrais pas que nous polémiquions sur ça. J'ai dit que je suis invariable. Oh, non, c'est compris. C'est-à-dire, si vous êtes d'accord au moins avec lui par rapport à ça, la date pour un officier, la première fois que vous fassiez l'objet d'une mesure d'arrêt et ensuite vous passez plusieurs mois là-bas, la date de votre libération, est-ce que ce sont les deux dates quand même qui sont essentielles, qui peuvent être difficilement oubliées par la personne concernée? Si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord avec lui là-dessus, hein, je ne dis pas que c'est... Voilà, je ne vous demande pas de varier autrement. C'est relatif. Voilà. Parce que ça dépend des gens.
Il y en a quand ils subissent trop de trauma, oui. Mais ils peuvent oublier beaucoup de choses. Oui, mais logiquement, on suppose que ce sont des dates considérables. C'est comme nous, notre date de prestation de serment. Nous la retenons. Merci, Monsieur le Président. Vous pouvez rejoindre vos places. Merci, Monsieur le Président. Vous pouvez partir si vous voulez. Merci. L'audience est suspendue.